Et salut voilà. Faresca. Bonjour VED, on va découvrir Deceive Inc. Enfin, Incorporation, plutôt. Avec Dilosiris. Voilà, voilà. Salut. 1920, ça date. Hello. c'est pour ça hein, que c'est grisé, tu vois. C'est trop vieux, 1920, maintenant. Ok, comment qu'on se rejoint? Est-ce qu'il faut faire un tuto? Ah. Peut-être, si je fais jouer. Regarde, dans la liste d'amis à droite, t'es dedans. Moi, je suis dedans, du coup. Oh. Alors, invité à un groupe. Ok. Je peux triporte aussi, te bloquer. Sympa, sympa. Je vois qu'il y a déjà une super ambiance. Ok, à droite, tu as reçu une invitation, je pense. Attends, j'ai une toute petite cinématique quand en appuyant sur jouer. Enfin, pas de cinématique. Ah, t'as cliqué sur jouer? Oui, parce que je me suis dit qu'il allait me proposer de rejoindre ou d'inviter. Bandit, fallait pas. Mais en fait, t'as quelqu'un qui te parle pendant un petit moment. Bah ouais, mais parce que du coup, t'as lancé le jeu, je crois. Non, c'est bon, je peux retourner au menu aussi. Sans problème. Ah. Je peux retourner au menu sans problème. Mais c'est qu'en fait, il t'explique le principe, vu que c'est la première fois que j'ai appuyé sur jouer, il m'expliquait, je pense. Ah oui, j'avais pas vu. Dilosiris. Ah oui, d'accord, effectivement, bloqué, tout ça. C'est pas une ambiance. Hop, je fais... Ah bah non. Bah si. Ça y est, attends, t'as fait quoi là? Je fais inviter. Bon bah je vais chez toi alors. Ouais. Ah, je peux pas accepter. Nous suggérons fortement de jouer le tutoriel. Ok. Mais pourquoi on est pareil? Bah parce que... Voilà. C'est dans mes agents, mais il y a que 3 agents en fait hein, pour le moment. Voilà, on peut choisir des agents différents. Oh, c'est si excitant. Oh, comment t'as... Ah ouais, en cliquant là-dessus. Ouais, quand tu vas dans agents. Après, on peut faire le tuto. On peut faire le tuto. Ah, mais toi, prends la fille, elle te ressemble plus. Ouais, bon. Après, sur toutes ses capacités, je pense qu'il faut en jouer des différents, regarde. Genre, celui-là, il a une capacité qui s'appelle expertise et il a un passif qui ressemble à un soin. Elle, elle a un passif qui ressemble à un rond. Enfin voilà, ils ont chacun des compétences différentes, donc en fait, c'est pas en fonction du style, mais plus en fonction des compétences, je pense. Ah, ils ont tous. Attendez, des cosmétiques. Oh, Maverick. Highway to that danger zone. Pardon. Bleu vintage, pas mal. Bon, ça change pas, c'est son style, hein, par contre, malheureusement. Mais c'est pas grave. Ah, je peux enlever... Ah oui, d'accord, il y a plusieurs. Ah oui, non, il y a avec ou sans le manteau. Ok. Ça coûte des sous. Hey, j'ai déjà des sous. Je peux déjà dépenser des choses en... des sous en attends. attends. Ah, on peut trouver... On peut avoir des poses différentes aussi. Oh, celle-là, je l'aime bien. Elle a un petit peu côté fatal, j'écoute. Effectivement, ça a l'air d'être une snipe, hein, d'ailleurs, la nana. Le petit gars en moi, bleu. Moi, je crois que je veux le bleu. Moi, je crois que ça m'intéresse, le bleu. Le plus jeune agent, mais j'aimerais bien... Attends. Ah, mais quand tu cliques, j'avais pas vu. Quand tu cliques sur les capacités, ça te dit que c'est concentration et action. Ah, tu peux scanner un peu. Détecte les objets... Détecte instantanément les objets de valeur. Oh, tu vas looter avec ça. Oh, ça m'étonne pas que tu le veuilles. Ouais, Gwen, il y avait écrit tout à l'heure qu'effectivement, il fallait faire le tuto. Ok, ok. Bon, on va faire. Hein. Ça devait être rapide, je pense. Elle, c'est quoi? Elle s'applique instantanément une marque au dernier rival touché. Voilà, cible présentement visée. Les cibles marquées laissent une piste vers... Ah oui, d'accord. C'est pour pouvoir pister les méchants. Fusil de précision, ok. Et ça, c'est quoi, ça? Le passif, c'est... Tir chargé inflige des dommages bonus. Quoi qu'il arrive, on va réussir. Oh punaise, il est doublé et tout, c'est fou. Chavez transforme une partie des dégâts qu'il subit en santé grise. Ah, c'est ça, il se peut se régène. Le... Oh, c'est fou. Ah, il a l'air. Là, ouais. Chavez devient... Ah ouais, c'est un tank. Devient instantanément invulnérable pendant une courte période. Pendant qu'il est invulnérable, Chavez ne prend aucun dégât. Oui, c'est un peu le principe. Pendant qu'il est invulnérable, ses interactions sont limitées aux portes déverrouillées. D'accord. On ne peut pas faire grand-chose, mais du coup, on peut prendre cher. Je testerai peut-être Chavez, moi. Qu'est-ce qu'on fait en kit? On fait le tuto? Ah bah oui, apparemment, oui. Allez, allez. Si faut. Moi, ah mais parce qu'il faut... On ne peut pas le faire en équipe hein. En fait, il propose de faire équipe. Mais du coup, je pense qu'on va rejoindre d'autres gens et je pense pas qu'on fera le tuto, du coup. Bon alors attends, je me mets en tuto.
Jouer. Attends. Comment je fais en sorte de plus être dans un groupe? Tu cliques sur équipe. Hein. Ah, c'est sur équipe. Ah oui, d'accord, tutoriel. Ah mince, ça se trouve, on peut peut-être le faire à plusieurs alors. Vas-y, re-invite-moi. Ouais, je vais retester. J'osais pas appuyer sur équipe parce que je pensais que ça voulait dire que j'avais invité automatiquement des gens. Mais je pense qu'on pourrait peut-être pas. Ouais, bon, écoute, on teste. C'est très rapide de se rejoindre, c'est l'avantage. Alors que sans combi de ski rose bonbon. Et ouais, comme en vrai, pas du tout. Oh non, c'est grisé, ouais. Ouais, on peut okay. faire qu'une ouais, seule... Ouais, bon, on s'en doutait. Et ben, alors. C'est parti pour le tuto. C'est bon, c'est cliqué. C'est cliqué, pareil. Accolade. Ah bah, c'est cette petite cinématique que je vais commencer à voir. Bah, je vais écouter ce qu'a dit la dame. Ah bah là, elle parle plus, si. Bienvenue, monsieur Reed. C'est enfin le temps de votre dernier test avant d'être déployé sur le terrain. Ne soyez pas son arme a fait sa taille. Vous êtes plus que prêt. C'est ce que nous aurions dit si vous aviez bien suivi vos ordres qui spécifiaient clairement de ne pas amener votre arme. C'était une blague. Prenez le temps de passer en revue les paramètres dans le menu d'options et entrez dans la salle d'examen pratique quand vous serez prêt. Ouh. Alors, je tiens à dire un truc. Oui. Le perso que tu regardes en tuto, c'est celui que tu as choisi. Parce que là, moi, j'ai le tuto, je le fais avec monsieur. Non, c'est que lui. Ah bon? Toi ouais, aussi, je pense t'as que c'est comme dans Overwatch où tu fais le tuto forcément avec soldat. Ah, ok. Bon, par contre, la sensi est beaucoup trop haute. Ouais, je l'ai baissé. Pour y accéder, vous devrez ouvrir les portes de la voûte en désactivant des bornes de voûte. Des bornes de voûte. C'est la phase d'insertion. Vous devrez ensuite infiltrer la voûte. Oh, mais c'est joli les décors. Ça fera un bel hôtel, tiens. Ensuite, ça me donne des idées. C'est la phase d'extraction. Pirater une borne d'extraction pour appeler un véhicule d'extraction. Une fois le véhicule arrivé, faites bien attention de rester dans la zone. Oh, mais le véhicule! Jusqu'à ce que la jauge d'extraction soit remplie. Il est maintenant temps de commencer le test pratique. Souriez, vous êtes filmé. La couverture David Gooden est l'outil le plus important dans l'arsenal de tout bon agent. Oh, c'est moi! Sans elle, n'importe qui pourrait vous identifier simplement en regardant vers vous. Restez sur place le temps que nous activions votre couverture. Non mais il me donne trop d'infos là. Oui, moi aussi, j'essaie de suivre. J'ai oublié la moitié. Comme un bouclier vous protégeant visuellement et physiquement. Elle fait en sorte que personne ne peut voir vos actions. Ah, ça va. J'adore ce pas chassé. T'as vu le pas chassé quand tu fais du latéral? Oui. Bah, de plus, après ça change un peu. Partie des dégâts causés par vos rivaux. Prenez un peu de temps pour marcher. Tout en regardant l'écran pour voir comment votre couverture réagit. Ah ouais, donc on a une couverture. Ah, c'est rigolo. Vous remarquez que votre couverture suit seulement la direction vers laquelle vous vous dirigez. C'est vrai. Ouh. Regardez tout autour de vous sans être suspect. Pas mal. Regardez tout autour de vous. La couverture holographique a aussi quelques défauts. Ah, c'est quoi les défauts? Utiliser votre arme brisera immédiatement votre couverture. Essayez pour voir. Elle a besoin d'un certain temps pour récupérer. Ah mais je pense que si tu joues à la manette, tu dois être beaucoup plus délicat. Plus... Ouais. Fluide. Peut-être bien. Après, c'est smooth quand même, je trouve. Elle peut aussi être brisée en cas de blessure, de gadget ou encore d'habileté. De gadget. Ok. La couverture holographique n'est qu'un outil. Il n'en tient qu'à vous de l'utiliser de manière optimale. Bah. Sauf que quand elle sort son arme, on le voit pas dans la couverture. Non, ah c'est oui, quand mais... tu tires, je crois. Mais effectivement. Oh la bande de voûte. Ok. Oh là là. Oh, c'est rigolo. Vous serez confronté à plusieurs portes de sécurité. Pour les ouvrir, vous aurez besoin d'intel. Oh, je suis déguisé en un civil. Différents appareils électroniques dans cette pièce pour obtenir de l'intel. De l'intel. Faut que j'obtienne de l'intel. La quantité d'intel obtenue dépend de l'appareil que vous piratez. Ah, je fais genre, je me déplace comme un PNJ là. Mais personne m'observe, mais je prends les réflexes. Genre, ils te disent ne rentre pas dans un mec quoi. Les portes de niveau personnel mènent vers une salle de personnel. Pour être discret, vous allez avoir besoin d'une couverture de personnel. Ah! Ah, c'est rigolo ce petit côté costume de Hitman là. Ah,
on voit en bas à gauche en quoi on est déguisé? Faut que je fasse quoi? Les membres du personnel peuvent aller dans les salles du personnel sans se faire chicaner. Chicaner. C'est mignon. J'aime faire chicaner. Ok. Les interactions sociales du personnel se résument à travailler, arroser les plantes, tenir le bar. Donc faut que je fasse... Les membres du personnel ont peur. Assurez-vous d'avoir la bonne couverture quand vous entrez dans une salle de sécurité. En avant. Ah, j'ai pas écouté, du coup, il faut faire quoi, là? Ah, tu lis en bas à gauche, moi, c'est ce que j'ai dû dire aussi. Bah, ouais, mais... Je me suis transformée en la nana, non? Bah oui. Ah, faut que... Ah oui, non, bah ok. Oh, oh, mais la bouteille, regardez cette taille de bouteille! Elle doit faire 18 kilos. Mais je suis entrée dans le coffre? Non mais... Tu sais, il y avait un banc sur le côté, dans le sas, là. Il y avait un banc, il y avait un petit coffre-fort vert. J'ai le cul dans le coffre-fort. Ah oui, un petit coffre-fort vert. Tu peux t'asseoir dedans? Ah oui. Ça fait coffrer. Oui, d'accord. Elle s'est fait coffrer. Ah, c'est pas mal. Une porte de niveau garde. Vous aurez besoin de 5 intels. 5 intels. Il y a un petit côté manga, tu sais, quand tu dois faire tes missions, là. Ah ouais. Mais là, faudra le faire vraiment en étant caché, quoi. Ouais. Vous aurez besoin d'une couverture de garde. Ah, j'ai besoin d'une couverture de garde. Dans la salle précédente. T'es un garde. Hop là. Alors, où irait un garde de sécurité? Oh là là, la télé, elle me fait mais tellement rêver. Le style, il est sympa. Ah ouais, non, mais il y a tout qui va là. Ça, c'est top. Passer un gadget. Le bouton d'action principal pour déployer le gadget. Appuyez sur le bouton d'action secondaire pour le gonfler ou le dégonfler. Oh, waouh, d'accord. Si je me mets dessus. Ah ouais, non, mais c'est trop rigolo. Il y a des gadgets très marrants. Attends, mais t'en es où là? Un tout petit peu après toi, très très peu, tu vas voir. Ok. C'est qu'on aura des sortes d'armes, j'imagine, qui seront différentes un peu, soit en fonction du perso, soit en fonction d'autres choses. Les portes de sécurité peuvent aussi être ouvertes en utilisant une carte correspondante. Ah, il y a des cartes à trouver. Mais comment tu montes dessus? Je me suis... En fait, tu te mets dessus. Ah oui, ok. Tu te prends pas la tête. Ouais. Oh merde. Un bouton d'expertise. Hein. Salut Echo. Hello, hello. Attendez, attendez, bouton d'expertise. C'est quoi le bouton d'expertise? Il n'y a pas sur mon clavier, il n'y a pas un bouton qui s'appelle bouton d'expertise. Ah mince, j'ai utilisé mon gadget, merde. C'est pas du tout l'endroit. Non, arrête. Tu vas te faire voir. Ouais, grave. Ah, je suis super discrète dans un bureau, je fais gonfler un truc immense, je saute dessus et je le refais deux trois fois. Tu es tranquille. T'étais... Ah mais c'est Bernard de la Conda, il a toujours été un peu vouvou. Ah. J'ai pas... Alors je sais pas quelle est la... Si t'as le bouton d'expertise, tu me dis, hein. Parce que j'ai... Ah, j'ai trouvé la carte. J'ai trouvé aussi, mais expertise, c'est quoi? C'est eux. Pour faire quoi? Pour activer le bouton d'expertise. Parce que moi aussi, j'ai trouvé la carte sans l'activer. Du coup, moi, j'ai tout changé comme touche. Ok. Bon, on verra. Désactiver cette borne de voûte pour ouvrir la porte. Ils vont se le dire, non? La porte de voûte. Arrête, mais j'arrête pas de gonfler. Et comment je range mon gadget? Il m'agace. Il est dans ma main, là, j'ai mon ballon. Est-ce que c'est pas genre le numéro 3, le numéro 1, 2 ou 1 ou je sais pas quoi? Oh, une piscine étang. Oh ouais. Oh, je vais nager dedans. Oh, on voit tout le monde. Oh ouais. Oh, la piscine étang, là, regardez ça. Alors franchement, le bureau, il est quand même giga pas pratique parce que tu dois littéralement te mouiller les pieds pour y accéder. Mais qu'est-ce que ça pète, la classe? Faut faire gaffe aux piscine. Ah ouais. Là, t'as un petit étang, en fait. C'est pas vraiment... Voilà, ouais. J'appelle ça piscine, étang, parce qu'il y a des nénuphars, mais... Un bain pour les pieds. Un petit bain de pieds, ouais, mais... Pédiluve. Ah, ça fait moins rêver, là, tout de suite, tu vois. Côté piscine, étang, mais pédiluve, c'est l'endroit où il y a les croûtes de pieds. Ouais, mais y a pas de... Là. Merde.
trois bornes de voûte devront être désactivées. Mais c'est quoi le problème? On peut pas aller dans l'eau? Ah, il y a une vitre en fait. Mais c'était quoi le problème de la pédiluve là? On pouvait pas passer dedans? Ah si si, c'est que j'ai... En fait, je pensais que... on se mouillait les pieds littéralement à chaque fois qu'on y allait. En fait, non, il y a une vitre. En fait, je suis déçue. Je préférais qu'on se mouille les pieds, moi. Ah. Mais on la voit pas du tout, la vitre. Il n'y a pas de reflet, quoi. Ok. Ah, on peut améliorer notre arsenal. Utilisez le mode navigation pour trouver facilement la borne de l'objectif. En mode navigation, appuyez sur le bouton d'action principal pour sélectionner un objet en surbrillance. Oh, c'est bien foutu, ça. Bien foutu, ça. En fait, on choisit l'objectif à suivre. En mode navigation, appuyez sur le bouton d'action principal pour sélectionner un objet en surbrillance. Le mode navigation vous montrera alors le chemin le plus court pour vous y rendre. Utilisez-le pour trouver les bornes de voûte, d'objectifs et d'extraction. Les bornes de voûte. Vous pourrez aussi voir les stations de santé et distributeurs... Putain, ils m'ont fait peur. La porte s'est ouverte, il y avait deux mecs devant moi. Ah bon? Bon. Ah, moi, il y avait personne. Vous n'êtes pas seul. Ah. Deux agents rôdent dans les parages. Ah, ils m'ont dit je suis pas seul. Ah. Ouh, ça fait peur. Attends, faut que je me transforme. Ah, c'est assez flippant. Faut que je fasse quoi? Attendez, faut que j'aille à un objectif. Il chante, le monsieur. Oh, waouh! Elle est trop stylée. Elle est trop belle, elle. Ah, elle est trop belle. Ok, je vais là-bas. Je viens d'où? Je viens de là. Pas du tout. Je dis des sottises. Je ne suis pas autorisée ici. Ah! Il me faut un agent de sécurité. Oh, c'est dommage, j'avais un agent de sécurité. Le mec en bleu, ouais. Oh, joli tenue. Mais quoi qui... Qu'est-ce qu'il y a? Je me fais plaisir, là, je m'y attendais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Cette zone est interdite. Faites de mieux. Ok, faut que je trouve un autre agent. Vous n'êtes pas au bon endroit, il faut que vous partiez. Ah d'accord. Je m'y attendais pas. Je fais des bêtises, mais je savais pas. Ah ouais, moi aussi je me fais tirer dessus. Mais c'est trop méchant. Mais oui. Mais je m'y attendais trop pas. Oh, comment je sors mon arme? Oh, je l'ai tué. Mais je suis méchante aussi. Regardez, elle est morte, elle avait un si beau chapeau. Ah, je peux me déguiser en elle. Tiens, t'es dégoûté, je suis déguisé en toi. Il y a de la tension. Attention à l'attention. Ah, je suis dans la salle des gardes, donc là je peux faire tup avec ma petite montre. Ok, là je fais tup. Ah. Mais il y a plein d'endroits là où il faudrait aller, je pense, je sais pas. Ouais, faut refaire le truc, attends, le truc en surbrillance là, pour voir nos objectifs. Ah bah je pense que c'est... Ok. Effectivement, faut aller aux bornes. Mais on va... n'a pas besoin d'aller à l'infirmerie? Ah je sais pas, j'ai oublié déjà moi. Les toilettes? Tu vas aux toilettes? Ah je sais pas, ouais c'est des toilettes, ouais. Ouvrir les toilettes. Ah tu t'assures sur les toilettes. Très bien. Et en plus ça tire la chasse. Non, je te jure. Oh, je vais peut-être me déguiser en technicien. Ah ouais, je suis en technicien maintenant. On dirait qu'il regarde les distributeurs de capotes là, non? Tu sais, dans les toilettes, toi les publics, t'as des machines sur les murs. Oui, des distributeurs là. Ah ouais. Après bon, là moi j'ai tiré sur tout le monde, genre je sais pas si c'était la strat trop. Ah, moi aussi j'ai tué tout le monde. Hein. À un moment donné, c'est bon quoi. J'aime pas me faire surprendre. Ou au début t'essayes et tout, et puis au bout d'un moment t'es là, allez, vas-y, c'est bon. Oh, ah c'est bon les gars. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je suis dans la salle VIP. Mauvaise couverture, okay, comment ça mauvaise couverture?
Le bien, je suis en... Sécurité ? Non, une dame avec une blouse blanche. Ah, moi, je suis un technicien, c'est en blouse... Moi aussi, c'est un homme en blouse blanche. Quoi ? Ah, j'ai un paquet, faut que je fasse un truc avec. Range ton paquet. Go, go, go ! Ok, faut que je parte. Oh putain ! Faut que je m'en aille, mais je sais pas par où est le chemin. Ah, la musique ! Elle est tellement groovy ! Je cours vers la victoire. J'ai quand j'ai val. J'ai pas encore ma chère venir en arrière. Tirez la team rocket. On me tire dessus. Tiens, la petite gueule, Tiens. Merde. Elle a sauté. Hein. La voiture. I've got the voiture in the helicopter. C'est un... Ah, c'est pas qu'une voiture, elle vole! Mais waouh! Je me sens extraite. Oh, comment ça s'est arrêté trop brutalement? Bah non, c'est pas ta dernière, bro. Va rester un petit moment. Ok, ça s'arrête très brutalement. Hein. Si tu apprécies la musique, ça va te couper, quoi. C'était brutal, j'étais à fond, moi, j'étais à fond. La musique, là, par contre, elle est très forte. Je vais la baisser un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Ah oui, ok. Tu dois t'enfouir. Et nul, ta couverture et ton plaid aussi. Mais tu sais quoi, j'ai bien senti, effectivement, qu'il y avait une critique de mon plaid. Et tu sais quoi, mon plaid, c'est un cadeau. Et mon plaid... Ah, j'ai envie de venir voir maintenant à quoi tu ressembles. Mais non, c'est parce que... J'ai pas une idée que j'avais une mauvaise couverture. Il faut sortir par où ? Après, tu verras un gros point. Il te dira, tu vas rebrousser chemin, en fait. Et aller jusqu'à une voiture, parce que tu vas avoir un portail qui se sera ouvert. Le plaid, il est à moi. Toi, t'avais des chaussettes et tu les as pas non plus, ou qu'elles sont à moi. Lorsque vous détenez le paquet, le mode de navigation obtient une puissance de 1. Maintenez C pour navigation. Détecte les agents rivaux, ok. Utilisez le mode navigation comme de l'intel tant que vous détenez le paquet. Quoi ? Ouais. Ah, ça consomme. Ok. Ouais. Oh putain, donc lui, il faut que je lui tire dessus. Oh. Oui, c'est vrai que tu dois affronter quelqu'un une fois sur place. Et voilà. Et après, c'est fini. Plus ou moins. Bon, ça a l'air prometteur. Waouh, elle est magnifique la voiture. Il y a des pelles derrière en plus. Des pelles. Pour faire une excavation dans le sol. Elle a des ailes. Ça, c'est les Jetsons. Non, le style est très cool. Hein. Les 70s. Bon, ok, bah tu peux m'inviter. Oh oui, hein. Eh ben, je te invite. Oui, hein. Osiris, je joue actuellement. Je sais pas qui je prends. Je vais peut-être prendre lui, ouais. Je vais prendre Chavez. Je crois que c'est ça son nom. Jouer. Oula, comment il s'appelle le mien là ? Le tien, il s'appelle Kick. Non, pas du tout. Je peux te kick en fait, c'est juste qu'il y a écrit ça. Squire. Moi, je vois en dessous Squire. Moi quitter le groupe et en dessous toi, je vois Kick. Ils sont bizarres nos prénoms, mais moi, je dis ok, je juge pas. Ah. Oui, toi c'est Chavez et moi c'est Squire. Squire. Je dois faire quoi ? Je dois cliquer sur jouer aussi ? Il est écrit en recherche, moi. Ah donc bon, je pense qu'on cherche d'autres joueurs. En attendant, regardons les capacités de notre personnage. Expertise. Du coup, c'était... Ah oui, c'est invulnérable passif. C'était qu'il pouvait se soigner. Ah, c'est fou. Ok, d'accord. En santé grise, comme un shield un petit peu. Revolver standard, puissant et efficace, cadence de tir moyenne. Non, j'aime bien. Je vais prendre ce petit gars, puis on testera après les autres persos.
Et les gadgets sont les mêmes selon mon perso ? Oui. Ah, je pense qu'on peut choisir des gadgets différents. Ah ben non, on a que ces deux-là. Ah non ! Ah, on va en débloquer plus tard, ok. Ok. Nous sommes en recherche. J'espère que le fait que j'aille dans les menus, ça fasse pas le... ça fait pas... ça coupe pas la file d'attente, mais dans le doute, je vais pas cliquer partout. Hein. Je pense que c'est bien comme strat. Je pense pas cliquer partout, c'est bien. Je peux cliquer sur les cosmétiques quand même. Oh, il y a des saisons. Il y a une boutique. Bordel. Ça va, Lix? Il plaide coupable. Ah oui, c'est vrai qu'on est mardi. Normalement, c'est la malédiction pour Lix. Tous les mardis, il a des soucis. Voilà. Oh merde, et c'est quoi le souci aujourd'hui? C'est quoi le souci aujourd'hui, Lix? Oh, ah, ça a lancé. Opération fragrance. Plus être une revendeuse d'informations, Madame Xiu, M. Je vais dire les sandwichs. Parce que j'ai pas le temps de lire. Allez, Chavez, let's go. Déployer. Oh, ça tire déjà de partout, hein. T'entends? Ah, c'est le lobby, peut-être. Dans une minute, ouais. Ouais, d'accord, ok. Waouh, il y en a un, il y a une dame, elle a un pantalon... attends. Mais il y en a qui ont déjà des cosmétiques de fou. Elle... Mais oui, regarde son pantalon, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Trop stylé. Oh, mais oui. Mais ils sont tous magnifiques, hein. Il y en a un qui a une cape. Et il a des pouvoirs, il me tire des pouvoirs avec son gant. Oh, tu vois un gant. Mais waouh, bah lui, là, le monsieur avec une grande cape, il me tire dessus, on dirait qu'il tire avec un gant. Comme si c'était un pouvoir. Attends, ouais, attends, je vais regarder. Mais il saute regarder, partout, alors il va où, là? Ah, il est trop relou. Il est trop relou. Il est sur ma tête, il est où? Il est sur ta tête, oui. Regarde, t'as vu, on dirait qu'il tire avec son bras. Ah ouais. Mais arrête de sauter, montre-nous. Un peu Iron Man, non? Can you stop jumping? We wanna look at your glove. Wait, let me see your hand. Yeah, thank you, wait. Wow. That's fancy. Oh, grave. Nice. Thank you. Quand il savait qu'on parlait de lui en plus. Ouais, il a construit, il a tout de suite capté. Hein. C'est sûr qu'il était tout foufou quoi. Il bouge plus là, il ose plus. C'est Thanos. Il a un côté plutôt, je trouve, Doctor Strange avec sa cape et tout. Mais oui, effectivement. Oh là là, c'est stressant, ils ont l'air trop forts, ils ont déjà trop de skins. Oh, ils sont trop de la classe. Nous on... Regarde la dame là avec son cache-œil. Ah ouais, c'est trop classe le cache-œil. Oh là là, elle est trop stylée. Moi c'est la robe que j'aimais bien. Ah ouais. Ah mais regarde cette place, mais moi je veux vivre ici. Ah c'est pas mal là. Ah. Ah, bonjour, j'ai une couverture de dame habillée en jaune et noir. Moi c'est un débardeur. Ouais, donc ça c'est toi, ça c'est moi. Salut. Ah, attendez. Oh. Ah oui, débardeur, ok. Désactiver les bandes de la voûte. Bon, si vous prenez rien, moi je prends tous les trucs. Ouais, hein. je prends. Et je pense qu'on peut tous prendre pour se recharger. Ah bon. Enfin, je sais pas trop, c'est comme ça que je vois ça, moi. On prend des points pour pouvoir après se transformer. Et il s'appelle comment le... Merde. Ah oh bah, je ne sais pas. je ne sais pas comment chinois, ça se prend. Il est parti. Ah, attends, on a une dame du ménage. Je vais me transformer en elle, je pense. De l'entretien plutôt, ça se dit pas une dame du ménage. Elle est où? Ah bah elle est dans la cour. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Comment t'as vu qu'elle était là-bas? Bah elle est passée devant moi. Ok, voilà, moi je vais voir. Alors j'ai un objectif E, et il y a un objectif A, et C, et D, et B. Il y en a vraiment beaucoup. Oh ça te va bien ça. IRL, je t'imagine parfaitement comme ça en fait. Bon. Il y a des gars qui courent là à droite, hein. Des fois, il y en a qui courent hein, dans les PNJ. Ah bon? Ouais. Bon, on va faire ça. Mais par contre, notre mate, il est à terre. Oh, mais oui, mais il court partout aussi. Mais il est où ça, à terre? Mais non, je le vois pas. Ah si, regarde, il est très loin. Ah, il est très loin. Oh la vache. Je reste, moi, je te suis, hein. J'essaie juste de faire gaffe à d'éventuelles couvertures. Oula, attends, je crois que j'ai vu quelqu'un qui était suspect, là. Je sais pas où il est. Eh ben je crois qu'il a des pop, parce que ça fait peut-être trop longtemps, non? Ah! Je me suis fait découvrir par quelqu'un. Ouais, mais je me fais engueuler par le staff! Ah oui, parce que tu devrais pas être là!
Mais lui, il est où, notre ami, là? Je pense qu'il a des pas, peut-être qu'il réapparaît au spawn. Non, non, il est encore en haut, il est au-dessus. Il a l'infirmerie. Ça, c'est moi qui suis au-dessus de toi. Moi, je le vois plus, moi. Quand je regarde autour de nous, je le vois plus, notre copain. Ah, la terrasse, à la terrasse. Ah, il est juste au-dessus, ok. Attends, comment qu'on monte? Comment que qu'on monte? Je vais prendre des points, tiens. Mais comment il est monté là? Le mec, il connaît le jeu par cœur. Ouais, bah il connaît tellement bien qu'il est mort. Super speedrun, bro. Je vais essayer de faire le tour. Ah, attends. Ah ouais. Bien par là, ça me semble... Oula, elle m'a fait peur, elle. Moi aussi, elle m'a fait peur. Celle-là... C'est une méchante, c'est une méchante. Oh, je t'aide. Il faut la buter. Allez, où, elle est où? Il est mort. Il est mort? Il est mort. Non, 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 arrête de tirer sur tout le monde, là. Il est mort. Ah ouais. Oh, t'es mort. Je t'y bague. Bien, vas-y, on va chercher notre mate, là. Oh, bravo, bravo. Comment t'as su? Parce qu'en fait, il s'est transformé devant moi, ce naze. Oh, le loser. Mais comment... Ah, il y a un gars qui... non, ça, c'est un PNJ, ça. Hein. Enfin, c'est un vrai joueur. Il est descendu... Je le sens mal, hein. Je le sens mal, lui, là. Je le sens mal, là. Lui, oh, là. Lui... C'est un bandit, c'est un bandit. Lequel? Elle, c'est la dame où elle est cachée. Dans le couloir, à ta droite. Oui, là. Oh, il y a une tourelle. Ah. Oh là là, les salons. J'en tue une. Ah, il y avait une tourelle. Ils ont des tourelles. Ah. Mais notre mate, il est mort instantanément aussi. Le concept est pas mal. Ouais, mais en fait, tu sais, moi je me balade et je recherche même pas l'objectif. Je vois des gens qui font des trucs bizarres. Ouais, je me moi, dis, c'est fou l'objectif et j'essaie de trouver notre pote. Et je me dis, oh putain, quelqu'un. Attends, je peux écrire sur... Je peux appuyer sur jouer, ça fait quoi? Ça veut dire que on peut continuer? Genre, si je fais jouer. Bon, on était que 3 en équipe, donc techniquement on est mort. Techniquement on est mort, ouais. J'ai fait jouer. Ah, ça recherche une autre mission en fait. Non, parce que tu vois, je voyais un PNJ qui saute d'un étage. À travers une balustrade et tout, je me dis mais c'est pas très normal c'est pas ça. Très PNJ, ça quand même. Non, non. Effectivement, non, mais bien joué, bien joué. Ok. Ok, ils ont des tourelles et tout, hein, ils sont chauds. Alors, on a 1 minute 30 avant qu'ils repartent. Ouais, mais du coup, c'est pas juste. Ça veut dire que les gens, ils ont eu le jeu, quoi, toi, une demi-heure avant nous. Et ils ont déjà tout. C'est un truc de fou, quoi. Et donc, en fait, tu ah, joues, mais là, tu te par fais... contre, on sera avec quelqu'un qui a un pseudo... Un pseudo pas asiatique, du coup on pourra peut-être au moins parler en anglais. C'était du chinois. Lequel, du chinois, du coup, parce que... Là, quand tu fais échappe, tu vois, il s'appelle Steel Skiller. 950. On est avec un mec qui s'appelle Steel Skiller. Steel Skiller. Ok, ok, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il est où, Steel Skiller? Je le cherche. Et il est où, ouais? Ah, il est là. Ah, il a des skins et tout. Oh, je le sens bien, lui. Oh, le skin. Ça fait penser à un perso de... Bah, it's still killer. Can we look at your skin? Wait, we want to look at your skin. Wait, don't move, don't move. Don't move. Voilà. Nice. That's nice skin. Nice. Ouais. Ça fait penser à... Bah, c'est dans Resident Evil. Je sais pas. Putain, c'est qui le gars qui fait du bruit, là? Mais c'est oh la tourelle, elle est insupportable. C'est à qui, voilà, ça? On peut la tuer, la tourelle. Ah, désolé. Bonsoir, Okotan. Bonsoir. Bonsoir. Il y en a qui ont joué cet après-midi. Ah ouais? Ah oui, oui, si, c'est vrai, j'ai vu Domingo cet après-midi, c'est vrai. Fin ah d'après-midi. Non, moi j'ai pas vu. J'étais occupée. Il y a des agents 00. Ouais, bah c'est... Moi je suis 0,1 là. J'ai réussi à tuer quelqu'un, donc 0,1 je me donne. On dirait une... Ouais, ce qui est juste un peu chiant, c'est que... On joue contre des gars qui du coup sont beaucoup plus forts, quoi. Enfin, beaucoup plus forts. La musique. Oui, c'est, bah, en tout cas des gens qui ont de l'expérience, ouais. Oui, mais du coup, ils ont déjà acheté des objets et tout. Mais oui, c'est fou. Mais moi aussi, je vais faire ça rapidement, comme ça on me prendra pour une PGM. Ah, Steel Skiller et Dilo. Ok, bonjour. Ouais, il est pas mal, ton perso. Bah, c'était celui qui était une traîtresse tout à l'heure, alors j'espère que ça va pas nous porter malheur. Oh, toi, t'es... Oh là là, t'es trop groovy. T'as vu un peu. En vrai, on peut courir ici, ils seront pas là. Je pense pas, ouais. Je pense pas, hein. Je pense que c'est safe ici. Et on spawn pas aux mêmes endroits de toute façon, donc...
Mais du coup, notre pote, il est où là? C'était... Alors, je l'ai vu. Ah, il est en face. Bah, écoute, je vais essayer de m'approcher, de pas rester trop loin de lui. Mais moi, mon arme, je la vois sortie. Alors, elle n'est pas sortie, mais je vois qu'il l'a dans la main, mon perso. Donc, ça me fait un peu flipper. Oh, j'aime bien. Voilà, voilà. Je me suis aussi... mis en... Ah, mais je suis habillée comme toi. Oh, c'est pas très grave. Bah, au pire, je vais changer. On a l'air de deux sœurs l'une à côté de l'autre, quoi. Oui, mais ça, hein, les PNJ, tu sais. Hein? Tu sais, hein. Tu sais qu'ils font spawn plusieurs personnes qui se ressemblent au même endroit, des fois. Tu sais que les PNJ, ils ont beaucoup de frères et sœurs. Excusez-moi. Ok, j'ouvre une porte. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pu faire ça, alors je le fais. Aïe, aïe, je suis avec Sylph. Ah, ok. Moi, j'ouvre un coffre et j'ai une puce. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais j'ai une puce. I've got a puce. Oh, mais la voix. La voix, elle m'a dit quelque chose, la voix de mon perso. Sur le coup, quand il a dit... J'ai pas perdu la main. Ah non, mais... Alors, un petit peu. Mais non, c'est pas lui. Ouais, va sur un des objectifs, ouais. Ouais, ouais. Bah, je récupère des trucs là où je suis. Sympa. Ah, il a un petit air à la Anthony Cavana, en fait. Dans l'intonation. Ah, pas tout à fait. C'est quand il a dit câlin. Quoi, c'est toi qui fais du bruit, là? Non. C'est qui? C'est Steve Skiller, c'est le monsieur, ouais. Bah, là où je suis... Là où je suis, y'a rien. J'ai juste récolté pas mal de choses. Oh, y'a, ça a tiré, mais il a mis pas... une tourelle au sol. Oh, c'est lui qui met les tourelles. C'est lui le foufou des tourelles. Oh, je suis sur un toit, mais je le sens pas. Je vais partir. Je vais vous rejoindre. La dernière fois, l'autre, il est mort sur un toit bêtement. Je vais pas faire pareil. Je vous rejoins. Oui, j'ai dit je vous rejoins et je vais vous rejoindre par là. Il y a des trucs de santé, il y a de la nourriture à récolter. Ouais, ouais. Rigolo. Ok, je suis juste au-dessus du point D, mais je sais pas comment l'atteindre. Mais je suis au-dessus du point D. Je vais essayer de te trouver comment. Mais c'est bien d'être... Moi, j'essaie d'aller à un autre objectif, là. C'est bien d'être en personnage en vert, là, les femmes et les hommes d'entretien. Ouais, mais ça dépend des pièces, je crois. Ça dépend des pièces, ouais, mais c'est vrai que j'ai l'impression que... Bah déjà, si on était en simple citoyen, on pourrait pas accéder à ces pièces. Mais ouais, Ah, j'ai pas de points, j'ai plus de points. Faut que j'en trouve. Je monte un peu. Il est seul, voilà, me tirer dessus, lui! Ah, une bande de voûte, mais par qui? C'est les méchants qu'on fait ça? Ou c'est nous? C'est nous qui l'avons fait. Moi, je sais pas. Hein. On fait quoi? Je sais pas, il y a une bande de voûte qui a été désactivée, mais c'est par les méchants ou c'est par nous? Aucune idée. Désactiver les bandes de voûte, on en a désactivé une sur trois apparemment. Donc ça doit être Stitz. Bon, je peux pas aller là. Peut-être. Hein. Et salut Namidaka, on dirait un first class trouble-like. Mais je l'ai encore jamais joué à ce jeu, donc je serais pas le comparer. Il y a vraiment un style, en tout cas, à la first class trouble. Et on va dire qu'il y a le côté un peu agent double que tu pourras avoir dans first class. Mais dans first class, t'as pas ce... Le gameplay, c'est quand même beaucoup plus du Among Us. Alors que là, je dirais que le gameplay, je suis traqué. Je suis traqué par quelqu'un. Ah, mais je t'appuie sur quoi là? Là, je dirais que le gameplay, ça se rapproche plus d'un, je sais pas, d'un hitmat ou d'un prop hunt, peut-être. Je me camoufle. Je me camoufle parce que quelqu'un me traque. Ah, comment tu sais? Eh ben, j'ai entendu que j'ai vu un... Il y a mon écran qui est devenu un peu orange et on m'a dit... Oh là machin vous traque ou est en train de vous traquer ou quelque chose comme ça. Ok. Je n'arrive pas à trouver les objectifs. Je sais pas si... Les ennemis, c'est... En fait, ce qui va être sur ta mini-map, là, ton trollo, je sais pas quoi, ça va être des PNJ qui sont méchants, mais ça va pas être les ennemis, les vrais joueurs ennemis. Cavalière vous enquête. Ah, mais c'est parce que je vais dans un endroit qui est peut-être pas autorisé pour moi, je sais pas. Un rival. Plus Hitman, un peu Hitman. Ouais. Bon, faut que j'en aille. Ici, c'est pas bon. J'ai une clé.
Ah, il me faut une carte bleue ou 5 clés, je sais pas comment. Ah ouais, c'est comme ça qu'on atteint cet objectif-là. Ok. Ah. Essayez de le faire vous-même la prochaine fois. Non mais le jeu me bully ? Non mais le jeu, dis donc. Tu veux que je me sente mal dans ma peau, le jeu ? T'es sûr, hein ? Allez à terre, qui c'est, qui c'est, ah bah qui c'est, qui c'est ? Faut qu'on aille le voir. Je cours vers lui. Il est où le mec là ? Non, eh, c'est bon. Six. Ok, je suis pas loin de lui. Je cours j'attends, depuis tout à l'heure, j'ai viennes. Trop peur. Bah du coup, s'il est à terre, ils sont sûrement près de lui, donc on peut courir, je pense. Hein. En tout cas, je suis en face, j'attends que tu me rejoignes, comme ça on y va à deux et on les soulève. Tu vas me montrer tes skills d'FPS, hein. Ouh. Lox, je suis derrière toi. Ouais. Est-ce que je peux rentrer ? Oui. C'est bon ? T'es avec moi parce que je vais dépenser les clés. Je vais passer devant toi parce que en fait, moi j'ai un personnage bleu et je crois que ça va te porter préjudice. Prends le personnage bleu. Ouais, attends. Tu veux que je le bute et tu rentres ? Attends. Merde. C'est bon. Oh, merde. Non mais bute-la ! Il faut la tuer ! Elle est où ? Ah, tu l'as tué en un seul coup. Non, pas tout à fait. Faut qu'on aille l'aider du coup. Ah oui, la bouffe. C'est bon. Ah, j'aurais dû remanger. Oh, ça met du temps. Let's go. On peut ouvrir ça. La carte mauve. Qui a la carte mauve ? Bah, on peut l'ouvrir, en fait, ça dépend. On peut l'ouvrir juste avec des points, mais je sais pas si ça sert à quelque chose. Est-ce que je vais les dépenser pour R ? Bon bah j'y vais, j'ouvre. Il est peut-être AFK le gars, ça se trouve. Vas-y. Ah, c'était ici ? C'est bon, t'as réussi ? Bah j'ai pris un truc, mais je sais pas où ils sont les gens là. Ah ouais, moi non plus. C'est tout ? Ok. Faut qu'on aille au point A peut-être, mais je sais pas comment. Je suis descendu des escaliers, je cours. Oui, je te rejoins. Ah, tu vas te coucher ? Ok. Ah, mais ils doivent être ici, les mecs, là. C'est le point d'extraction, ça ? C'est le point d'extraction ! Ah, je peux pas. Ah non, mais je crois que c'est derrière, en fait, c'est à 210 mètres. Non, c'est à 210 mètres derrière nous. On court. Ok. Je comprends pas tout, il y a beaucoup de points sur cette carte. Dommage, l'autre il a FK. Oh là, celui qui court, je pense que... Ah non. Moi, c'est pas moi qui cours là ? Non, au loin, mais en fait il courait vers nous, alors ça n'avait pas de sens. Ah ! Attends, ça là, lui là, je le sens mal, à droite de nous là. Dans la petite salle à droite là ? Attends. Ah, non, c'était un gentil. C'était la femme que je voulais viser moi. Ah, moi c'était lui moi. Bon, je remonte. Je continue le chemin. Ah non, le point d'extraction c'est là. Ouh. Attends, comment en on bas va ? Bah ouais, on dirait. Mais c'était la blonde alors, c'est bien ce que je disais. Ah mais je sais pas, moi je voyais pas de blonde moi. Moi je voyais une brune et un mec balèze. Brun. C'est par où ? Mais ça arrête pas de changer, regarde. Ah, faut peut-être passer par là. Mais non, remonte, c'est pas bon. Mais je comprends rien. Ah, peut-être là ? Oh, c'est là ! Ah oui, d'accord ! C'est la dame ! Faut la tuer ! La blonde ? Elle était en bas, t'es où ? Là, ouais, je suis en bas. C'est qui lui là ? C'est un ennemi Ouais, c'est un ennemi. C'est en fait, ils s'enfuient avec la valise, faut les tuer. Aïe !
Quelqu'un me bute là. Oh, moi aussi. Qui te tire dessus là? Ah, deux personnes. Ah, tu vas mourir, ah, sale bah bête. Il y avait trop autour de elle moi. Elle est morte. Mais l'autre il a FK, c'est trop nul. Non, je suis morte. Bon, on commence à comprendre un peu, mais c'est compliqué quand même. Mais le problème, c'est que quand j'ai commencé à tirer sur un garde, et ben tous les autres gardes ils m'ont tapé dessus alors qu'en fait je tirais sur. Sur l'ennemi quoi. Et quand est-ce qu'on va pouvoir acheter des trucs là? Mission accomplie? Ah, je sais pas hein. J'ai pris un level en tout cas. Moi aussi, on a une caméra. On a la tourelle. Tourelle, ouais. Tourelle automatique. Alors, 3 améliorations tactiques, une élimination. Comment ça j'ai une élimination? J'ai tué 10 mecs. Une élimination d'un... d'un humain. Bon, je sais pas, j'ai éliminé plein de gens, moi. Bon. Du coup. Ah, j'ai réanimé. 2 améliorations tactiques, mission terminée, voûte infiltrée. Ok, bon. Voûte infiltrée aussi, j'ai 786 points. Oh bravo, moi je n'ai que 6 VTA. Quoi? C'est quoi le chiffre que tu m'as cité là? 6 VTA. Ah, 721? Non, 521. Ah! C'est je comprenais rien. Oh mon dieu. Bon, bah, on a accompli une mission en mourant tous apparemment. Ça fait 10 minutes qu'il était déco par FK. Bah il apparaît encore sur le truc, alors moi je pars du principe que si un perso qui est déco, si quelqu'un est déco, son perso l'est aussi. Mais non. Mais qu'est-ce qu'on doit faire là? Il faut cliquer sur jouer. J'ai cliqué sur jouer, mais on peut peut-être retourner au menu si on veut acheter des trucs, je pense, non? Moi j'achète rien pour le moment. Ok. C'est pas hein. Bah je sais pas, parce que la tourelle, je me dis, est-ce qu'il faut l'acheter, genre maintenant qu'on l'a débloqué? Non, mais tu sais très bien que le premier objet disponible dans la boutique, c'est toujours le plus nul. C'est toujours les meilleurs trucs qui sont à endgame, donc il faut pas dépenser au début. Moi je dépense tout. Aïe, malheureuse. Eh ben, je vais tester la miss. Mercenaire à l'œil vif, les compétences uniques d'Ace. On fait d'elle un des piliers de DC Incorporation. Elle traque ses rivaux sans relâche. Oui, très bien. Traque donc, traque donc. Ok. Cadence lent. Ça faisait 10 minutes qu'il s'était déco, il était pas AFK? Ah bon? Ouais, mais comme le je dis, c'est mal mort. Foutu alors, parce que bah, ça veut dire qu'on voit constamment des alliés qui sont peut-être même plus là. Mm. C'est pas le mieux. Moi j'avoue. Ah donc on peut avoir la tourelle. Je vais peut-être en mettre une, moi je vais prendre la tourelle. On n'a pas payant. Besoin d'acheter, non. Comme ça, je vais tester. Même si là, pour le moment, mes objets, je ne sais même pas où est-ce que je les achète. Où est-ce que je les achète? Où est-ce que je les lance? Qu'est-ce que je dis? Et on est avec Xilox Sixbin. Ok. Moi, j'ai rien compris. J'ai pas tout compris encore. Hein. Je sais pas limpide. Je mentirais si je disais que j'avais compris. Mais il y a des trucs que j'ai compris. Ah, mais voilà, mais ils ont toutes le même skill. Ah. D'accord, c'est beau, mais ça perd son charme, hein, désolé. Hein. Nous, on est les deux petits nouveaux centres. Ouais, et du coup, on est original. Bon. Alors. J'ai une clé derrière moi. Oh, j'aime trop, elle est trop belle. Ils sont tous trop beaux, de toute façon. Oh, c'est une cowboy. Cowgirl. Bonjour. Ah, ça, j'ai mon énorme arme dans les mains, je sais qu'on la voit pas, mais... Oh, des balles. Ok. Donc lui, il monte, toi tu vas à gauche et moi je vais aller au centre. Jolie statue, mais les décors, j'adore. Hein. Ah, les décors, quoi.
Oh, vous imaginez, il y a un truc d'infiltration. Une carte verte devant moi, je peux pas la prendre, mais je l'ai déjà. Il y en a une en plus. Ah, ouais, bah je vais peut-être venir alors. C'est quoi ça? C'est de la bouffe. Oh, dommage, la porte est ouverte. Elle est sur un banc vers moi. Ok. Bah, je vais faire le tour. Et là, je peux... Ah oui, là, je peux en prendre une. Et là, j'ai un petit coffre et j'ai un accélérateur de couverture. Du coup, ah, c'est j'ai bien un équipement. Ça. Ouais, ça, c'est cool, ça. Ok. Ah, là, il y a une clé. Oh, Liland, c'est ce qui nuit. Oh, j'ai une carte verte. C'est bon, j'ai trouvé la carte que tu disais. Moi, je la sens mal, elle. Moi, je la sens mal, cette dame, là. Je prends des points. Oh, déjà ? Ah, bah, déjà ! Je vous rejoins. C'est là... Mais non, mais le jeu, il me bully ! Bande désactivée. Vous aimez ça quand le jeu fait votre travail à votre place ? Quand les autres, pardon ? Il est où mon mate? Il est à terre. Mais attends, moi je me fais tirer dessus aussi. C'est qui me tire dessus? Voilà, il m'énerve, je vais me mettre en garde. Un peu de changement. Sur le côté. Ah, en bas à gauche. Bah ouais, mais il me semblait qu'il était toujours là en bas à gauche. De quoi que quoi? Quand le mate était parti tout à l'heure. Apparemment, c'est annoncé. Ah, c'est annoncé? D'accord. Enfin, en bas à gauche, tu sais, tu vois les gens qui sont là, ce qu'ils ont sur eux. Qui m'a buté là? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, t'es pas. Redéguise-toi, t'es pas déguisé. T'es pas déguisé, faudra que tu te déguises en. Putain, mais dégage-toi! Ah mais je crois que ça va jamais s'arrêter. Ah, y'a un ennemi, y'a un ennemi! Bute-la! C'est fait. Bien joué! Bon, on va se casser d'ici, hein. Mais il me faut un perso, moi! Ouais, moi aussi, mais bon, là, on s'en sort pas. Ah, c'est bon, je suis redéguisé, moi. Toi aussi, allez, on va peut-être s'en aller. Hein. Attends, mais vous avez laissé un coffre de ouf là derrière. Ah, mais je peux pas l'ouvrir. Attends. Oh non, je peux pas l'ouvrir. Ah, dis-moi qu'il y a des trucs à looter là. Ouais, il y en a partout, il y en a partout. Oh, j'ai une carte bleue. Ça devrait faciliter les déplacements. Achète-moi des chaussures, des Louboutins, s'il te plaît. Direct. mince, faut qu'on infiltre la voûte en fait, faut arrêter de... C'est où la voûte? De looter? Tu me demandes vraiment d'arrêter de looter là? Bah parce que là, j'ai peur que ça ne serve pas à grand chose. Salle des gardes. Pff, je vais me faire taper moi. Ah c'est bon, j'ai le droit. C'est là où... Ah oui, c'est là où je suis. J'ai la carte bleue donc je peux passer. Et du coup, faut que j'aille là-haut, ok. Oh, je sais pas comment. Comment, par où vous êtes passés, là, les enfants? Hors service. Allez, hors service? Quoi? Je sais pas, mais c'est en train de sonner dans tous les sens. Mais... Bah, il est déco, en fait. Hors service, je vois plus son... Je vois pas son cadavre. Je pense qu'il s'est barré. En tout cas, je vais essayer de monter au niveau du point, là. Mince, je crois que c'était un... Je crois que c'était un méchant, il courait partout. Mais non, c'était pas un méchant. J'ai plus de balles. Récupérer l'œil de taureau, j'essaye de l'atteindre. Ah, faut que je monte là. Non, pas du tout. Coucou, on me tire dessus. Ah, on me tire dessus. Ah, on me tire dessus, j'ai pas le temps. Ok, c'est un mec rouge.
Un mec un costard rouge là. Ok, ouais, j'en ouais, vois ouais, deux. Ouais, une nana et un mec. Un mec ah, mais le costard j'ai plus rouge. De mune, j'ai plus de mune, j'ai plus de mune. Ah mince. Au pire, tu vas à l'objectif si tu veux. Mais bon, ils sont deux, on est un et l'autre est la partie. Pourquoi on est toujours en sous-nombre c'est... J'ai plus de mune. Mais pourquoi il meurt pas il... C'est quoi ce délire? Il est invincible? Les balles, elles lui passent à travers? Zéro dégâts? Salut Only Muggen. C'est quoi le but du jeu juste? Je viens de remarquer qu'il est sorti. Alors, on vient à peine de... On fait tuto. On est encore au balbutiement. Mais en gros, c'est un jeu où deux équipes s'affrontent. Le but, ça va être de débloquer l'ouverture d'un... Comment on pourrait dire? De débloquer l'accès à une ressource qu'on doit voler, en gros, c'est un peu ce que je comprends. Et après, se barrer avec. En gros, c'est ça. Mais pour pouvoir l'atteindre, faut ouvrir trois... accéder à trois... Comment ils appellent ça? Trois bornes qui alors, permettent d'ouvrir le passage. Et on faut faire ces trois-là. Une fois que c'est ouvert, c'est des vortex, je crois qu'ils appellent ça. Une fois que c'est fait, et ben, l'objet est accessible. Et il faut récupérer cet objet et se barrer dans la voiture. Et du coup, c'est deux équipes qui s'affrontent pour ça. Et pour ça, bah, le but, ça va être de se fondre dans le décor en faisant un peu la technique de Hitman. Où du coup, il va y avoir un... Alors, tu sais, moi j'étais face à un... Là, je regardais une vitre, enfin un sas, il y avait une pièce, et il y avait un mec qui était par terre ou accroupi ou j'en sais rien, et un autre mec qui était devant lui. J'avais l'impression qu'il était en train de le revive, le réanimer. Ouais. Je suis entrée, j'ai tiré sur le mec qui était debout, et il se prenait aucune balle. Je me dis, mais c'est quoi ce problème? Et il y a un gars dans mon chat, Jacouille, qui vient d'arriver, qui me dit, je crois que c'était un hologramme. Il y avait il y avait un gars accroupi derrière lui. Donc si tu vois un gars qui est accroupi derrière un os, c'est peut-être un hologramme, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais d'après Jacouille, c'est comme ça que ça se passe. Sur la map, on n'est pas que deux équipes à s'affronter, on est trois équipes à s'affronter. Ah, il y a plusieurs équipes, oui. Ah, je pensais qu'il y avait que deux. Ok. Intéressant, j'aurais mis ce jeu gratuit par contre. Bah écoute, Moglobine. C'est bien de mettre des jeux gratuits, mais en fait, le monde est fait que, en fait, à la base, on doit payer pour jouer aux jeux vidéo, comme pour voir des films ou acheter des bouquins. Et les gens sont tellement habitués à avoir des contenus gratuits que dépenser 20 balles pour un jeu, ça paraît des fois surprenant. Et pourtant, bah, en fait, les développeurs ne travaillent pas gratuitement. Merci beaucoup Hémoglobine pour le sub offert à Loot. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci. Et c'était qu'une supposition de la part de Jacouille. Cette personne n'est pas certaine. D'accord. Non, mais ce serait pas impossible. Ce serait pas impossible. Merci Hémoglobine. Mais du coup, oui, je croyais qu'on était que deux équipes à s'affronter. En fait, on est au moins trois ou quatre équipes, c'est ça? Trois. Ok. Bon, bah, si on arrive à être trois jusqu'au bout de la run, et qu'on n'a pas un AFK ou une déco, ça pourrait être sympa. Waouh, toutes les cartes qu'il avait, ce monsieur-là. Moi, attends, faut que je vois, moi aussi. Il avait trois cartes. Montrez l'agent précédent. Ah ouais, mais... Ah. Bon, je pense que... ils ont gagné, en fait. Ce truc-là. 3 contre 3 contre 3. C'est... D'accord. Bah, je reprends... Squire. Sauf si tu veux jouer Squire. C'est pas cher pour un prendre. Jeu, mais pour ce que je vois, j'aurais mis le jeu gratuit. Oui, bien sûr, et tu n'aurais pas mangé. Mais t'as encore rien vu. Non, mais en fait, c'est pas question de j'aurais mis, en fait. C'est pas un avis d'avoir un jeu gratuit ou pas. C'est une réalité économique, Only Muggen. Alors après, il y en a qui abusent ou pas. 20€ pour le jeu, je trouve que non, c'est pas très cher. Surtout qu'il est en développement depuis un petit moment. Il a été annoncé, ça fait... Alors, ça fait personnellement, sur Steam, moi, j'ai cliqué à demander l'accès et ils me l'ont donné l'heure suivante. C'est un accès gratuit, du coup. Sur Steam? Initialement, Oui, sur Steam, il y avait écrit « Demander l'accès ». Il y a quelques jeux parfois qui te le proposent. Ok. Ah, c'est peut-être mais ça, parce je l'avais que demandé, mais je l'avais... Je crois pas. Parce que je sais même pas ce que c'est, donc... les créateurs Steam, c'est ceux qui vont conseiller des jeux et tout ça, et du coup, ils ont accès à des jeux. Ah ouais, non. Je crois pas que ce soit moi, non. Non, je pense juste avoir... Non, il y avait écrit ça, j'ai fait la demande et ils me l'ont donné. Ok. Parce qu'il est... Ouais, je crois qu'il a 20 balles. Mais il faut savoir que voilà, le jeu est sorti aujourd'hui, que bah, là on le découvre en même temps que vous, hein, ce qui fait qu'il y a plein de choses, plein de subtilités qu'on n'a pas et plein de choses qui ne sont pas encore débloquées.
Et voilà, et puis c'est un jeu qui va évoluer comme un prop night, comme des jeux comme ça qui sont faits pour être joués entre potes. Ou pas d'ailleurs. Mais voilà, faut peut-être laisser, avant de juger que le jeu devrait être gratuit, faut peut-être lui laisser un peu plus de 5 minutes pour montrer ce qu'il a dans le ventre, quoi. Mais de toute façon... il est tel qu'il est actuellement. Artcell, cool. Les maps, par contre, elles sont grandes, hein. Moi, je... Mais la nana que tu incarnes, elle te ressemble. Ah oui, attends. Hi, yeah, we can hear you. Oh, j'entends mal, par contre. J'entends plus la musique que lui. Et t'as pas mis... Ouais. Faut que je mette les sons... Je vais essayer de mettre son un peu plus fort. Ah bah je peux le couper ou... Ah c'est peut-être dans les autres réglages. Ok, wait, we just need to put your volume louder. Comment on fait? Ah, là-haut. Tu fais quoi? Parce que je t'entends double. En haut à droite, échappe, en haut à droite, t'as le rouage tout en haut à droite. Ok, volume des voix, du micro. Hop là. Ah mais du micro, j'espère que c'est pas le mien. Okay, now I can hear you better. Okay, what did you say? You want us to press what? No, I was wondering if you wanted to hit D since it's just right here. Okay. The head D? Il veut qu'on attaque, qu'on attaque. How do I enter? I don't have... Oh, thank okay. you. Viens, viens, viens. Il veut qu'on attaque D, enfin qu'on y aille. Je ne me souviens pas vous avoir autorisé à être ici. Ah mince. Ah oui, moi je suis pas... Je suis pas déguisé, moi. Attendez. Je peux pas. Je m'en vais. Là, il faut qu'il me rouvre la porte, le mec, là. Ah non, il est là. Ok. Sorry, we're beginners. Il faut que je trouve un... Là, mais sur nous, il y a un corps mort, là. Viens, reviens. Vas-y, ouvre et je le fais vite fait. You can come take my cover. Vas-y, viens. Par terre. Ouais. Thanks. That we're ready. Nope, I don't. Let me get some. Je vise bien, mais on ne sait jamais. On n'a pas assez d'intel, il faut qu'on aille en chercher. Ouais, ouvre les tiroirs. J'en ai déjà ouvert, je crois. T'en as dans... Je viens de trouver deux trucs d'intel et des balles. Ok. Il y a déjà une borne de voûte qui a été désactivée, c'est fou. Ah, vous êtes parti déjà? Ah non. I have 7. Moi j'ai combien? And now 8. 3. Un accès facilité. C'était pas de refus. Okay, I'm coming. Here. I'm dead. She's dead. She's almost dead. Waouh, il est entouré de gars, le gars. Il est entouré de mecs. Wow. Ah, mais c'est une mêlée générale. Il y a tout le monde. Ok, je te... Ah. Oh, shit. J'essaie de te raid. De raid, pardon. Ça bah, il fallait pas, il y a tout le monde autour. Bah, parce qu'en fait, je voyais plus personne et j'étais de nouveau en couverture. Alors, je me suis dit, bon, bah, je te reste maintenant avant que quelqu'un d'autre arrive, tu vois. Mais j'ai pas encore les timings en tête, j'avoue. Ah non, il y a 10 000 mecs pour nous. Oh la vache, ah c'est dur, du coup qu'il y a plein de teams. Mais il est devant lui. Guys on your left inside the room. He's on the floor behind the counter, behind the table. He's just reanimated 3 guys. Si vous entendez en double, c'est normal, là, c'est parce qu'elle parle dans le jeu. Mais aussi du coup en même temps sur Discord. Sorry. Par contre, on l'entend absolument pas. Je pense on est d'accord, j'ai baissé la musique. Hein. Ouais, t'as raison. C'est vrai que la musique est un peu omniprésente en fait. C'est qu'il y a beaucoup de sons dans la musique. C'est pas juste qu'elle est forte, c'est qu'elle est un peu. C'est pas une petite musique d'ambiance chill, quoi. Bah je refais jouer alors. Parce que bah comme ça on trouvera...
Bon, autre chose. On va finir par y arriver. Bon, j'aurais dû mettre ma tourelle et j'avais pas... C'est pas le bouton, en fait. J'aimerais bien savoir quel est quel bouton. Bah, regarde dans le contrôle. Ouais, t'as raison. Attends. Ah, il faut que je choisisse mon agent. Ok, et là, je fais échappe, non. Ah, c'est 2, 3. 2, 3. Ok. Ah non, c'est une caméra. Ah si, c'est... Ok. Ok, c'est bon. C'est... punaise, j'ai pas encore. C'est 1, 2, 3, du coup, les objets à utiliser. On le fait pas assez. Enfin, moi, je fais... en tout cas, je le fais pas assez. Faut vraiment que j'apprenne. Amélioration technique. En plus, le lobby sert de tuto. De camp d'entraînement, ouais. Parce que bah ils te donnent les infos en fait quand tu vois des trucs, ils te disent là amélioration tactique. Utiliser l'intel pour ouvrir le coffre contenant une amélioration tactique avec divers effets bénéfiques. Ok. Accélérateur de couverture. Oh, y a un train. Oh, trop stylé. Trop stylé le tromé. Appuie sur tab pour changer d'agent. Ok, mais non, je changerai pas d'agent. Pour le moment, je garde Micheline. Oh, la nana à gauche, le mouton, oh le bélier. Oui, elle est trop pipou. Je sais même pas quel agent c'est, du coup. Non. On dirait déjà qu'elle est en costume. Opération Diamond Spire. Eh, les décors, on se croirait vraiment dans un James Bond. Franchement, dans un film. J'adore. Oh, la classe! Oh, j'ai tellement la classe. Oh, mais il y a des petits bassins d'eau! Ok, j'arrête, sinon je me fais repérer. Mais c'est très tentant. Très tentant. Très, très tentant. Oh, je vois un gars devant nous, là-bas. Ah ouais? Ouais. Pas sûr. Petite amélioration là. Papy. Bon, je retourne voir Jésus là parce que j'ai pas assez de. Ouais, de moi thunes. J'ai rien moi. Après, on peut descendre. Oh, je vais prendre un majordome, je crois. Il faut rester. Hop là. L'uniforme. J'ai entendu un cri. Moi aussi, à l'instant. What the fuck? Ah. Là, j'ai trouvé des balles. C'est marrant, on entend des fois des PNJ parler. Et ils se plaignaient des gardes, du fait qu'il y ait trop de gardes. Ah mince. Attends, je vais vous rejoindre aussi pour faire le point. Ok, il nous attend en fait. Faut que tu viennes aussi comme ça. T'as un truc de garde. Oula, tu t'es fait. Je suis un garde. Okay, okay. Mais par contre, par où vous êtes là? Alors, on est resté en haut. Ok. Mais je sais pas pourquoi il veut qu'on reste là. Peut-être pour le couvrir là, le fait. Temps qu'il ouvre la voûte. Ah, il a peut-être la carte, oui. Ah, moi, j'ai pas ça. Je peux pas utiliser la meilleure ici, j'ai pas 5. Peut-être ici, si je fouille. Non, c'était munitions. Munitions pleines, ok. Ok. Non, bah ça sert à rien. Je suis en train ici, d'utiliser en fait. Mes points pour ouvrir le coffre bleu au lieu d'ouvrir le truc du... de l'objectif. Je comprends, je crois que j'aurais fait pareil. Hein. Oh merde. Je me sens tellement coupable. Hop là. Mais du coup, il reste là, lui, alors. Félicitations,
Vous avez trouvé une borne de voûte. Il a ouvert la porte là ? Apparemment. Attends. Mais merde, mais je suis en garde et je peux pas passer, ça fait chier. Borne de voûte. Oula. Vous obtenez une étoile sur votre bulletin. Ah ouais, mais du coup on se fait repérer un peu. Ok. Viens, entre, entre, entre. Non, faut qu'on se barre. Entre, entre, entre. Bah en vrai, faut qu'on se barre. Bah, il faut qu'on le suive. Ok, ok. Thank you. Oh, il y a une carte. J'ai une carte orange, jaune, dorée. Oh, mais regarde, c'est de la vitre en dessous de nous et c'est trop beau. Oh, putain. Oh, la classe à Dallas. Il faut faire quoi, là? Juste looter. Et après, se barrer mais parce qu'il a déjà récupéré... La carte rouge, on peut pas le prendre, là. Il reste pas une petite schlosse. Une schlosse une clé. C'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci, hein, salut Cyril. Comment ça va? Et non, il est où le mate? Il est avec nous, il est avec moi. Je pense qu'on va se barrer, tant pis. C'est toi qui... C'est moi qui suis avec toi. Je vais tirer dessus. Je me fais tirer dessus, je me fais... Ouais. Mais je vois rien. Qui est-ce qui a foutu cette boule devant? Je sais, c'est lui, je crois. J'ai mis ma tourelle. Je tire dessus avec ma tourelle. Elle est morte, elle est morte, elle est morte. Oh, je me fais... Ils sont morts. Pendant que je dirigeais ma tourelle, je me suis fait tirer dessus. Je suis en dessous de l'escalier, attention à quelqu'un. Oh, mais c'est trop dur. Et je maîtrise pas les armes. Il est mort, il est mort. Ok, vous pourrez me reste. Il y en avait qu'un, mais peut-être qu'il y en a un qui va arriver, je pense. T'es où? Je suis là, au pied de Jésus. Aïta, Aïta, rien. Ouais, merci beaucoup, merci. Je suis en train de me stuffer. Vas-y, stuffe-toi, stuffe-toi. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Hop là. Attends, okay. Can we go back in the pink room? I have enough points to get the pink box. Je viens avec toi parce que moi aussi je pense que j'ai enough points. Je sais pas en fait, je les vois pas mes points. Ça rend ouf. Je les vois où tes points? En bas là où il y a ton œil, truc truc. Attends, qui va ouvrir la porte? Ah non, il faut qu'il revienne le mec. Ah oui, parce que je suis morte. Oui, c'est normal. Oh putain. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Merde. Je suis en train de dépenser tous mes points pour ça, quoi. Allez, vas-y. Trop forte. T'as vu Cyril? Salut Cyril, comment ça va? Merci Gwen. Allez, let's go. Allez. C'est bon, on peut se tirer, hein. Ok, where do we go now, Jesus? Mike, N'hésite pas à prendre la vie si t'en croises, hein. Moi, je suis full life. Par contre, j'aimerais bien être quelqu'un d'autre, là, parce que... T'as un truc vert, là, par terre, si tu veux. Ah oui. Ah oui, mais j'ai déjà la puce verte. Parce que là, on ressemble à tout le monde. Hein. Enfin, tout le monde, je veux dire, on est trois mecs à se suivre, là, je sais pas comment on appelle ça. C'est cul. Ah, pour te heal. Ah, oui, 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 j'y vais tout de suite. Il te faut des points. Ouais. Je vais prendre une dame du ménage. Ce n'est pas mon premier nettoyage. Comme ça, on n'est pas trop ensemble. Et je prends de la bouffe. Ok, ça va. Dans les toilettes, il y a de la nourriture dans les toilettes. Évidemment. Ah ouais, dans le deuxième ici, sas. Moi, il faut que je fasse le point de points. Le plein de points. Pas le ploin de ploin, ça ne veut rien dire. Lox. Oh mon dieu. Il est partout, Jésus là. Ah, il est là. Jesus, who are you? Il a trouvé quelque chose? Nous ne voulons pas que notre agent préféré tombe malade. Ok, je suis soignée. Là, une carte verte, mais. Ah, j'ai récupéré une carte verte. Donc, s'il y a une pièce verte ouverte, c'est bon, moi je peux. Vous me disez. Là, des balles. Bien, mais on ne sait jamais. Ok, faut que je fasse... Bon bah ma tourelle, alors le truc c'est que quand j'utilise ma tourelle, je suis complètement immobilisée. Bon là, ils sont chelous eux. Oh, je pense que ceux-là ils sont trop suspects. Je pense que... Attends, les gars là ils sont trop suspects. C'est dans la porte, je suis coincé dans la porte. Faut que t'ouvres, je peux pas t'aider. Mais je peux pas, je suis coincé dans la porte. Merde, je panique. Mais non, comment ça, tout le monde est mort? Non, pas moi. Attends, j'en ai tué une. Y'a plus personne, rentre! Tu peux rentrer? Oui! Ferme la porte! Par terre, à la porte! Oh, je crois, je sais pas où, mais... Allez! Mais non, mais je m'en fous, j'aime... Elle loot! Ok, réa le mec, il est derrière le comptoir. Je reste quelqu'un. Je sais pas qui. C'est moi. Ok, merci. Il est où le mec? Ah, je peux pas rentrer, merde! Attends, je vais t'ouvrir. Hop là. Merci, merde. C'est qui le mec? Il est où? Il est là? Non, c'est pas lui. Il a déco? Déjà équipé. En fait, je sais pas lequel était notre mate. Ouais. Il était peut-être pas là, si? Ah si, c'est peut-être lui, là, c'est bon. Voilà, j'y arrivais pas. En fait, quoi, des loot? Ah, nice.
Ok, ça va, on a géré. On a tué une team, ça veut dire, non? Là, une carte verte, si vous voulez. Elle est ici, elle fait du bruit. Moi, j'en ai tout volé, je lui ai tout pris, le mec. Je l'ai dévalisé, le pauvre. Très bien, très bien, très bien. Il faut. Déjà équipé. Ah, ça, j'ai déjà équipé aussi. Ah, ok, j'en ai déjà une bleue d'équipée, ok. Il est parti où, l'ami? Je sais pas, je peux ouvrir ça. Mais est-ce qu'on a besoin... Ah oui, je peux ouvrir ça. Attends, j'ouvre la porte violette. We're gonna open this pink room, Jesus. J'ai piqué toutes ses cartes. Bah, il avait pas... ouais. Je trouvais une bande. Should I activate this? Ouais, hein. T'es en train de le faire, toi, là? Je crois. Je vois pas de barre, mais ça fait du bruit. Let's go! Oh, la dame, elle a dit, voilà pourquoi vous êtes mon préféré. Moi, je suis son préféré, je suis son agent préféré. Il se fait buter, il se fait buter, vite, faut ouvrir la porte. Il doit être bloqué. Ils sont en train de voler tous les trucs, là. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des chaînes. Je sais pas, il m'a immobilisé, l'enflure, là. Tu vas voir, je vais te tuer, toi. Je vais te tuer! Attends. Faut que je mette une tourelle, ce serait bien. Je sais plus comment je fais, comme ça. Ah, je suis morte. Attends, j'essaie d'utiliser... Ils sont rentrés! Attends. Ah, ils ont tous se buter, là. Avec ton sniper, mais qu'est-ce que tu fais qu'un sniper, encore à corps? Mais je sais rien! C'est l'arme de la nana. Ah là là. C'est trop dur sans pouvoir viser. J'ai testé la meuf, mais effectivement, punaise, comme ça, c'est pas terrible. Hein. Ça fait... Et niveau 4. Wow, niveau 4. Un peu pareil. J'ai gagné. 1461 points. Maîtrise accrue. Yes, c'est où? Nouvel article déverrouillé. Où tu vois maîtrise article déverrouillé? Je sais pas, après. Mais après quoi? Mais t'es en train de me raconter quoi, là? Des trucs que j'ai pas eu? Mais écoute, moi je sais pas, hein. Tu veux qu'on fasse retour au menu pour voir? Bah, je sais pas. Ouais, vas-y. Comme ça, on se laisse le temps d'un petit peu comprendre nos personnages. Alors, boutique. Attends, t'es dans le menu là? Ok, attends, hop. Contenu saisonnier sera bientôt disponible. Revenez plus tard. Ah, il y a des skins par jour en fait. Ok. Ah. Amélioration. Alors, amélioration tactique. Personnalisez et choisissez vos améliorations tactiques qui seront déployées dans les coffres lors de vos prochaines missions. Ah oui, parce que là, on a toujours les mêmes améliorations et on peut faire mieux. Capacité accrue d'un tel. Accélérateur de couverture, ça c'est pas fou. Oh, ça c'est bien, ça. Ah, d'accord. Ok, chaque amélioration, on peut choisir autre chose. Kit d'amélioration tactique, super pâle. Scanner d'exfiltration, supplément alimentaire, batterie sociale. C'est quoi? Régénération de santé par les interactions sociales. Ah oui, d'accord. What the fuck. What the fuck, du tout. Plus d'overclocking, vitesse de hacking plus rapide. Mais j'ai pas l'impression que ce soit très lent, donc je vais peut-être prendre une autre amélioration. Bonne soirée Gaël, bonne soirée, des bisous. Des bisous. Dors bien. Il tient plus, il est fatigué. Moi. Kit d'amélioration technique, récupération d'expertise. Mais c'est quoi l'expertise en fait? Il y a des trucs que je ne sais pas ce que c'est. Scanner d'exfiltration. Réduction du drainage d'un tel lors du scan avec un... Avec le paquet, oui, d'accord. Ça peut être bien sûrement ça, mais... Mais on n'a jamais eu un paquet entre les mains, alors c'est compliqué. Non, nous on a des foufounes. Nous on tire dans le tas et on meurt. En gros quoi. Ah, on peut faire plusieurs jeux différents selon nos types de gameplay. Ouais, mais je vais essayer comme ça pour le moment. C'est un peu... compliqué quoi. J'ai joué 29 minutes avec la nana, 21 minutes avec lui, et je vais peut-être tester le petit gars maintenant. Ok. Alors ça me saoule. Ah mais je peux avoir... Ah oui. Ah bah non. On n'en a pas d'autres trucs. Ok. Très bien, très bien. Bon bah je vais essayer comme ça pour le moment, je pense.
rien. Je suis née pour faire ça, baby. Baby. Je n'en peux plus d'attendre. Quoi ? Ah, elle a un arc d'intrice. Pourquoi pas ? Non, c'est mon perso qui, c'est le perso que j'avais sélectionné qui dit viens par ici, baby, ou un truc comme ça. Parce qu'on peut acheter les persos si on veut. Alors je regarde les armes qu'ils ont. Parce qu'ils coûtent tous le même prix, ce qui fait que là on peut acheter un perso si on veut. Qu'est-ce qu'on va s'amuser ? Mais il faut voir si, s'ils sont intéressants. Expertise, c'est quoi ? L'arcin devient instantanément invisible ! Oh, le gars devient invisible ! C'est bien ça, non ? Pendant qu'il est invisible, aucun dommage ni outil de détection ne peut affecter. Il s'appelle Larcin. Son prénom, c'est Larcin. Non mais please. Un prénom, ça, c'est un adjectif. Puis qu'est-ce que je dis ? Même pas. Un Larcin. Oui, c'est un nom commun. Bénéfice d'un gain de vitesse. Franchement, lui, en tant que lâche, moi, ça m'irait bien, ça. Attaque de mêlée, Larcin vole des articles aux rivaux. Ah oh, ouais, mais ça, jamais je le ferais, ça. Le silence, pistolet de poche jetable. Dégâts descend, efficace à courte portée. Vitesse de tir très rapide et de rechargement très rapide. Vitesse de rechargement très rapide. Oui d'accord, j'ai compris. Il écrit deux fois vitesse de rechargement très rapide. Je vais peut-être l'acheter le gentleman cambrioleur qui devrait s'appeler Lupin mais qui s'appelle Larcin. Les voyous sont rusés et utilisent de sales coups afin d'éclipser la compétition. Allez, je prends Larcin. J'ai hâte de mater la compète. J'ai hâte de mater la compète. Coucou, I'm Sirdek. Tirdek. Je sais pas comment prononcer. Ok. Tu me dis quand t'es prête et puis on retourne, hein. Larcin, yes. En deux mots. Un instant. Tout à fait. Ah oh, oui, tout à fait. Butin. Oh, j'ai un butin. Attends, à gauche. Sérieux, tu l'as eu où? À gauche de ton écran, c'est le menu principal. Je regarde aussi vite que possible, oh, juste un instant. Mais du coup, Oh, j'ai des skins, en fait. Bienvenue à Icar. Et du coup, comme ça, on a même des cartes. C'est quoi, ça? Des cartes de visite. Mais je m'en fiche d'une carte de visite. Je veux pas... Oh, je peux lui mettre un petit manteau rose, là. Jet set parisienne. Ah, je vais prendre le manteau noir. Rôdeur. Oh là là! Incroyable, j'ai des skins. Agent. Comment je fais déjà? Ah non, faut que je clique sur... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Là. Alors, oui. En fait, je suis en train d'essayer de refaire mon deck de cartes. Hein. Mon deck. Et je ouais. sais pas trop ce que je veux, quoi. Ouais, moi aussi, j'attends un petit peu. Parce que je me dis, si je chamboule tout et qu'en fait, je me rends compte que c'est horrible, je vais être dégoûtée. Alors, pour le moment, je laisse un peu comme ça. Après, c'est les améliorations. Donc, déjà, faut les choper, les améliorations, quoi. Mais ça veut dire que on aura forcément ce type d'amélioration. Sinon, coucou. Ouais, coucou, Infernalou, je crois que je te l'ai pas dit. Excuse, Infernalou, excuse. Ça va bien? Ouais, non, en fait, il est... J'aime bien comme ça, il a un certain swag. Regardez avec sa petite arme cachée dans son dos, là. Non, je l'aime bien, lui. Il se la pète, mais je l'aime bien. Et pourquoi on a des gourdes? Je sais pas ce que c'est, ça, en fait. C'est quoi comme objet, ça, à votre avis? C'est pas des bombes, là, des canettes de spray. Ah, c'est des tags? Ouais. Mais comment on tag? Ah, la carte de visite! Maintenant, j'en ai une. Hop. Hop là. Ah oui, c'est des tags, effectivement. Il y a un petit côté Overwatch dans pas mal de trucs. Donc, ça veut dire que si j'appuie peut-être sur T. Oui, dans ta tête. Oui, je t'ai dit bonjour dans ma tête, mais ça arrive, hein. Ça veut dire que, voilà, qu'on est copains. Ok. Bon, ok, on va laisser comme ça. Ça m'a saoulé. Et c'est où le cadeau, là? Le butin, tu ok. Reviens, tu oh. Voilà, menu principal. Oh. Et les skins? Ouais, j'ai eu deux skins de femmes. Oh, cool. Ouais. Attends, je les regarde, parce que j'ai un peu de retard. Oh, bah, cool.
D'accord, je me demandais si t'avais forcément les skins du perso que t'avais sélectionné, et non. Parce que moi j'ai eu deux skins pour le même perso, du coup je me suis dit mince. Qu'est-ce que j'en fais de ces trucs là? Bon, je me barre. Et comment on débloque? Ah, avec de l'argent, on débloque les persos. Ouais, et ils ont tous le même prix, c'est pour ça que j'en ai pris un. Je me suis dit, bah, je vais le tester parce qu'il tire très rapidement et qu'il peut sa capacité, c'est d'être invisible, donc je me dis que ça pourrait être intéressant. Lequel? Celui que j'ai pris, mais il est avant-dernier, je crois que c'est l'avant-dernier, il s'appelle Larsin. Okay. Mais voilà, je les ai pas tous regardés attentivement. J'ai juste regardé si leurs armes m'allaient et après si leurs capacités secondaires m'allaient. De toute façon, au final, on va tous les prendre, donc... Mais celui-là, il me semble pas trop... Je sais pas, le fait qu'il tire très vite, ça me plaît bien. Mais du coup, il va faire sûrement moins de dégâts, mais ça va vraiment me changer de mon sniper juste avant. Ouais, intéressant tout ça. Bon, j'économise, je vais ça là. Ok, bah, je suis prête. Hein. Ok. Let's go. Bon, je ferai bien mon live dessin demain. Même si je dors pas, je m'en fous, je fais mon live dessin. Voilà. Au bout d'un moment, ça va bien. Et je sais pas si vous avez vu, je pense redéplacer les multi-lundis au multi-credi parce que, comme je dis, bah, le lundi, souvent, Jay, il organise des trucs. Et du coup, bah, ça fait que moi, dans deux semaines, je pourrais pas, que souvent, Hanté et Diox, sinon, c'est eux qui peuvent pas et tout. Donc, voilà. Je pense que je vais redéplacer mercredi, ça me va bien. Ok, bon, allez, je teste mon petit gars, là. Et le passif, c'est quoi? J'ai oublié, c'est pas grave. Il y a mon jeu qui s'était alt-tab. J'irais positivement, j'ai vu. Ouais? J'ai mon jeu qui s'était alt-tab, mais c'était un truc de pare-feu, donc je sais pas si tu l'as eu aussi. Ah non. Pare-feu Windows. Ah non, j'ai pas eu. Étonnamment, pourtant, j'utilise le même pare-feu que toi. Oh, il y a une chaise! Attends, il y a un hologramme de chaise ou une chaise ou je ne sais quoi. Comment c'est possible? Il y a des gens qui peuvent se transformer en objet, ça veut dire. Mais ouais, regarde, c'est une chaise! C'est trop bien! Oh, je tourne sur la chaise! Sérieux? Oui, il me fait tourner! Ah ouais, putain. Je me fais attaquer, je me fais... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ok, ouais, ça nous entrave, mais ça nous prend pas de vie. Ok. Bon, il a l'air de tirer très vite et il recharge très très vite. Il fait comme Faucheur en fait, il jette son arme. Oh, ça me donne envie de jouer à Overwatch. Salut Trapil, hein, ça va? Eh, mon perso il est classe quand même. C'est lequel? Ah oui. Il est en rose. J'ai choisi le rose. Oh, la musique aussi, mais cette ambiance de jeu, elle est trop... plaisante, elle est très agréable. Gwen aussi, il se met dans l'ambiance là, il boit son petit cocktail dans sa noix de coco là, ça me donne envie. Oh mais oui, moi aussi j'ai trop envie d'un cocktail dans une noix de coco, avec un rhum de fou. Un bon piña colada. Genre un rhum arrangé de dingues quoi. Alors on est avec Camitos. Peut-être un FR. Peut-être hein. Bon c'était H-O-S donc peut-être, je ne sais pas. En tout cas peut-être une ref effectivement. Ah, il s'est changé, ok. Je reste pas trop loin de lui au cas où il y a des sous. Et j'essaie de trouver des trucs à loot. Et évidemment, je ne trouve rien là tout de suite. Ah, ok, on est dehors. Devant le truc. Super. C'est fou que le jeu soit doublé et tout. Je pensais pas, hein. Je trouve ça trop cool. Il est sorti quand ce jeu? Aujourd'hui. Il est disponible vraiment depuis pas très très longtemps. Depuis cet après-midi. Bonsoir Trapil. Et bon bah il y a plein de... Franchement il y a plein de trucs à connaître. C'est pas le genre de jeu où en une game tu comprends tout. Même si t'as fait le tuto, on a fait le tuto. Hein. Mais ça a l'air bien sympa et au niveau des strats je pense que ça peut être très rigolo. Quel est ce bruit? Il y a un bruit? J'ai eu un bruit, ouais. Ah, on va au point B, vous êtes tous pas loin du point B, on va peut-être...
Oh, là où je suis, il y a un mec. Il y a un mec 100%. Sérieux ? Ouais, 100%. Il fait que courir, je crois. Ok, pas du tout. Désolé. C'est pas grave. Quoi, tu l'as tué ? Bah, en fait, il courait et il s'est arrêté quand je me suis arrêtée. Et du coup, il m'a tourné le dos et il s'arrêtait. Genre, trop bizarre. En fait, c'était un PNJ. Oh merde. C'est pas grave. Je l'ai tué, je suis vite partie et ça a pas. Ah, je peux mettre invisible, punaise, c'est vrai, j'oublie. Ok. Il n'y a pas de bande de voûte ici. D'accord, il n'y a pas de bande de voûte ici. Ok. Le point, du coup, je vais essayer d'aller au point D. Le tuto, c'est surfait, mais on l'a fait. C'est juste que, bah, en vrai, il y a trop de trucs à appréhender. Hein. Il faut une clé bleue. Un nouveau aurait-il une clé bleue ? Non. Ah, bah non, mais je peux passer. Je vais au point D. Je me sens mal. Ah, je me fais tirer dessus. Non ! Putain, je suis pas avec toi en plus. Salut, World's Off. Non mais ils sont trop decks, ils peuvent pas rentrer parce qu'ils ont pas assez de points, les nullos. Du coup, ils ont essayé de me tirer dessus, ils sont restés dehors. Et donc toi, t'attends bêtement dans la pièce, c'est ça? C'est exactement ça. Ah, il vient. Oh merde. Oh là là là. Oh, je suis dedans. Ah oui, d'accord. Ah mais je... Ok. Ça m'a tué. Genre, je crois que vous pouvez pas me raise. On pourra te raise si on revient dans la pièce, non? Je sais pas, je... D'habitude, on voit la caméra sur son cadavre, non? Je sais plus. Si tu es sûr, je fais les modifications Discord pour toi. Ah bah, si tu peux, Infernal, ouais, je veux bien. Ruiner mon multi-credi, ouais. Plus je t'explique dès que je peux, World's Off. J'essaie de faire vite parce qu'il y a Lux qui est mort. Non, mais t'inquiète, moi, de toute façon, j'ai pas de timer. Alors, en vrai... Prends pas de risque pour toi. C'est surtout ça. Ah mais tu peux passer dans les salles violettes. Parce que j'ai ouvert une... J'ai utilisé mes points. Ah d'accord. Ok, donc toi t'es... Bah j'étais au point D. Putain, je peux pas tourner ma cam autour de toi, ça me frustre. Parce que je veux... Ah si, un petit peu. Ah non mais pas beaucoup. Bon c'est pas grave. On va regarder. Je le vois plus. Ah oui, il est en train de te rire là. Ah oui. Oh, merci. Je m'en vais, puisque forcément j'avais plus de couverture. Du coup, les PNJ essayent de me buter. Oh, j'ai trouvé un PNJ. Ok, c'est bon. I have one guy on me. J'ai un gars sur moi. T'es où? Ah, t'es là-bas. Ok, bah, j'arrive. Il s'ouvre pas la porte. Oh, I'm not sure. Je suis pas sûre. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh ça on le savait. Merci tranquille. Il a fait pour plus. Oh, j'ai pas de vie. Faut absolument que je prenne de la bouffe sur le chemin avant de te rejoindre. Ah c'est vrai que là, franchement le perso il fait pas très mal. Hein. Effectivement son arme... Bon alors j'avoue que j'ai un IM de chips hein, mais en plus quoi. Ok on est avec toi. Ok, j'ai juste besoin d'un truc pour ouvrir le coffre, là. Oh, regardez, ici. Kamitos, il a un gars sur lui. Ouais. Il a deux gars. Il a ping. Ça, c'est plus mon problème. Lui, il est suspect, lui, non? Ouais, il y a quelqu'un ici. Ah, je l'ai toujours pas tué. Oh, je fais vraiment pas mal. J'ai tiré je sais pas combien de fois sur eux. Faut que vous veniez, hein. Ah, mais vous étiez pas là. Tant pis. Ah, si, toi t'étais là. Attention. Il est mort? Je peux pas te réa pour le moment. Si tu me tires dessus... Attention. Oh putain. C'était pas le bon. Ouais, bon, le perso, il fait trop petit cas. Je vais tirer, je sais pas combien de fois dessus. He's on top on the left. Il est au-dessus à gauche.
Non, non, mec, tu vas où? Va 13. Il loot. Mais il est entouré, il y a tout le monde autour de lui, ouais, à là, sa droite. Plus, ah, ça s'entretue, il a peut-être une chance. Non, mais il y a tout, il y a trois mecs. Derrière lui aussi encore. Elle tire au lance-pierre. Oui, ça c'est le dernier perso qu'on peut débloquer. Ok. Infernal Angelus, coucou. Levez-vous, coucou. Bah c'est pas grave. Du coup, en quoi consiste le jeu? Bah on sait pas encore. On incarne des gens que l'on croise pour se... On incarne des PNJ. Se déguiser. On se déguise, ouais. Pour être en infiltré et on doit activer des password, des machins, coffres. En gros, de ce que j'ai vu, on doit activer trois bandes qui nous permettent de libérer un passage, un endroit qui est fermé avant. Et dans cet endroit, il y a un objet à prendre, à voler. Et il faut après s'enfuir avec cet objet. Mais en gros, il y a trois équipes sur la même map qui, du coup, essaient d'être les premiers à choper le truc. Et à chaque fois, bah, vu qu'on est tous déguisés en PNJ, on doit essayer de se repérer comme ça. Et là, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais repéré un personnage qui était pas un PNJ. Il faisait que courir et tout ça en ligne droite, machin, donc c'était un peu suspect. Je lui ai tiré dessus. Le truc, c'est que mon perso, il fait tellement pas de damage. C'est ouf. Je vais peut-être reprendre un lui. Un lui, ouais. Ah, okay. Et du coup... Et du coup, bah, c'est vrai que je me suis retrouvée un petit peu en galère à tirer sur un perso qui me pluyait. Je lui tirais dessus, mais voilà, il a fallu que je mette un chargeur entier. Elle était quand même pas morte, donc c'est que c'était pas foufou. Mais du coup, on a tous, voilà, on choisit un personnage en fonction de son arme et de ses capacités. On a des améliorations qu'on peut choper sur la map qui vont nous aider, par exemple, à... je sais pas, à avoir un peu plus de vie, des petits trucs comme ça. Et on peut se raise mutuellement, comme vous avez pu le constater. Mais pour le moment, on n'a vraiment pas toutes les subtilités. Donc là, vous voyez trois équipes de trois. Voilà. Même si on se rend pas bien compte. Oh, faudrait qu'on soit de la même couleur si un jour on a une équipe de trois. Oh, ça a l'air trop beau! Silver Reef! On est sous l'eau! On est sous l'eau! On est sous l'eau, Dilo. On tirait pas sur les vitres, hein. Tirait pas sur les vitres. Ou alors ce serait un peu marrant quand même. Non. Oh, mais c'est cette map qu'on a vue dans le trailer qui était passé dans je ne sais. Oh, il y a quelqu'un qui court en face de moi déjà. Oh, ils sont plusieurs à courir. Hein. Oh là là, Lox, c'est un carnage. C'est bon, je me casse, j'ai connu. Oh, les vêtements, tu crois qu'on peut looter ce vêtement? Ouais, je pense. Waouh! Rapide. Gwen, merci! Oh, merci beaucoup, Gwen, pour le sub offert. Merci, non, mais... Bon, j'avoue, j'ai arrêté de tirer sur les persos qui y courent. Mais Gwen, merci énormément. Merci beaucoup. Waouh. Il y a plein de hot dogs partout, pour récupérer là. Des améliorations et ouvrir des portes qui nous sont fermées. Et il faut récupérer de l'intel, littéralement. C'est comme ça que ça s'appelle dans le jeu. Et l'intel, on la récupère sur les différents petits PC qu'on peut croiser, en gros. Et moi, là, j'incarne un... Ah là, on entend que ça s'entretue. J'incarne un personnel, en fait, un membre du personnel. Et l'avantage, c'est que les membres du personnel, ils ont accès à certains espaces que les simples civils comme ça n'auront pas accès. Et voilà, ces espaces-là. Parce que si j'y vais en tant que civil, les gens à l'intérieur du truc me diront « Eh oh, vous avez rien à faire là !» et risqueront de me tirer dessus. Donc voilà, faut avoir les tenues adéquates. Faut que j'arrête de tirer sur les gens. Je vous promets, j'arrête. Là voilà, je suis dans une salle du personnel, du coup ça, mais c'est bon. Alors il y a quelqu'un qui est déjà passé ici parce qu'il y a des améliorations qui ont été prises. Déjà ? Moi. Ok. Et où ? Dans une salle du personnel. Ouais, c'est... Et je chope toute l'intel que je croise. Et je vais prendre la Melio d'ailleurs. Je suis avec Drick. Drick. Docteur Nick. Bref. Ok. Moi je chope tout. Et vous allez au point quoi que je vienne avec vous limite ? Au point A, je dirais. C'est pas du tout où il va. Et du coup, voilà, pour ne pas être trop repéré, etc., je pense que c'est pas mal d'éviter de courir en permanence.
que voilà, il faut éviter de stagner, de faire rester AFK, machin. Et je crois que ce sera ici qu'il faudra s'enfuir. Ça, c'est une zone d'extraction. Cet endroit est si agréable, sans aucune malveillance. Et vous entendez, il y a des doublages, hein, des doublages plutôt quali. Hein. Et moi, je sais pas, c'est du détail que j'aime bien parce que tout le monde ne fait pas l'effort d'investir dans du doublage de différents pays. Surtout pour un jeu qui vient de sortir. Il va me voler mon loot, lui, là. Je vais pas être... Non, c'est bon. Oh, il y a des aquariums. Oh, mais des eaux. Moi, je vous laisse finir. Je visite l'aquarium. Oh. Oh, non, mais je te promets, c'est trop stylé. Il y a plein d'aquariums avec plein de poissons exotiques. Oh, est-ce qu'il y a un aquarium à méduses? Il y a un aquarium à hippocampe. Oh, mais dites-moi qu'il y a des méduses. Oh, dites-moi qu'il y a des requins. Oh, dites-moi qu'il y a des poulpes. C'est trop génial, les poulpes. Hein. Je sais pas si vous savez ça. Bon, ok, allez, je vais au point. Je suis au point E. Voilà. Je vais essayer en tout cas d'y aller. Bien, notre agent préféré a trouvé une borne de voûte. Ah, j'ai trouvé une borne de voûte d'après la voix. Ok, faut que je l'atteigne maintenant. Je sais pas comment, mais faut que je l'atteigne. Borne de voûte désactivée. Voilà pourquoi vous êtes mon préféré. Merci. Ça, c'est des méchants. Il a une clé bleue. Lui. Il faut qu'il m'attende, le mec là. Faut qu'il m'attende, je suis pas prête. Bon. Bah, je vais aller au point C alors. Je crois que le point E, j'ai vu des morts et tout, je pense que ça a complètement... Je pense qu'il a déjà été dévalisé, le point E. Oh, c'est trop classe. Oh, j'ai une carte bleue. Avec ça, la clé des champs pour moi. Je vais pouvoir t'acheter des loups-boutins. Oui, oui, t'inquiète pas, je t'achèterai tous les loups-boutins que tu veux. Tu traites donc Twitch de menteur, Trapil, 22 mois d'abo chez toi, j'ai un doute, Twitch il me fume. Ah. C'était pas 22 mois d'abo consécutif? Genre il y avait un autre chiffre sinon? C'est suffit que des fois il y a eu un mois qui est sauté et hop, ça revient de zéro. Mais il te dit quand même don machin consécutif. Vous êtes où? Allez, je viens avec vous, j'en ai marre. Oh. C'est dans... Mais non, Gwen. J'ai une carte verte et une carte bleue. Merci énormément, Gwen, merci, mais c'est beaucoup. Déjà désactivé. Cherchez ailleurs. Ah, c'est pas ici, ok. Je vais aller au point C. Putain, mais je me suis séparée de tout le monde là, ça commence à être compliqué. Waouh, la tenue de cette dame là. Rockstar. Ah, il l'a prise en plus. Aïe. Ah, t'as des soucis. C'est qui tire dessus? Dis-moi tout. Oh putain, bah il y a des gardes et une nana et enfin toute la smala quoi. Merci Gwen, merci beaucoup. Maintenant on est tous morts. Ils vont nous looter notre stuff. Bientôt 5 ans. Je vais essayer de 5 venir. Ans que tu me suis, Infernal. Oh la vache. 5 ans qu'il me suit sur Twitch. C'est fou. C'est faux ça. Vous êtes à l'étage, j'ai essayé de venir. Hein. Mais je sais pas comment vous êtes monté. Merci beaucoup Infernal. Non, quand tu fais offrir, eh oui. Quand tu te fais offrir, il n'y a pas écrit le X mois consécutif. Ah, c'est pour ça. Bah, c'est pour ça alors. Ça va être tout droit là. C'est genre là, il y a du monde. En gros, ils sont en train de looter nos corps, je pense. J'essaye de rester un peu. Je vais te raise. T'as vu comment elle est habillée, la dame? Ouais, elle est partie.
Putain, du coup, il a pris toutes nos cartes. Merci. Ouais. C'est tout ce qui reste. Désactiver les bandes de la voûte. Mais elle est où la voûte? Merde. Elle leak, ça fait carrément plus qu'un an, quoi. En fait, j'ai 50 mois sur Lox, donc c'est possible que je vois pas le temps passer. T'as 50 mois chez moi? Comment tu fais? Quel est ton secret? J'arrive au point E. Oh merde, j'ai pas fait exprès. C'est qui a qui mérite? Oh merde, mais connard! Mais je sais pas, là il y a un point E ici par exemple. Ok, super. Et du coup, je l'accepte comment? J'en ai marre. Il te faut des points, non? Non, mais c'est qu'en fait le point il est en dessous de moi, puis après je vais en dessous, mais il n'y a pas de porte pour y accéder, donc je trouve que je cherche des escaliers et tout. Genre, je sais pas. Il n'y a pas un peu de bouffe là, mon perso il a faim. J'ai équipé, bon. Ok, bah je crois qu'il faut qu'on aille ailleurs. me semblerait correct. Iris, comment ça a hacké la voûte? Merde. Et elle est où la voûte? Mange des petites fours, moi, tranquille. Ouais, bah j'ai vite ta meilleure vie. Hein. Y a une option pour mettre le GPS, non? Ah, j'en sais rien du tout. Je l'ai vu sur d'autres streams. Si, c'est le C là où. Enfin, le... Ah non, moi c'est ce que j'ai changé, Rebind. Ouais, je sais pas. Peut-être. En fait, ça utilise mes points et j'ai pas trop envie de les utiliser. Mais ah, si je fais F, ça fait quoi? Ah non, ok. Ça dépend peut-être du perso, ouais. Peut-être que je l'ai pas avec mon perso, c'est le scan, c'est ça? Quoi? Mais il ne reste plus que 2 minutes en fait. Oui, faut qu'on trouve ceux qui ont chopé l'objet de la voûte. Voilà. Et du coup. Du coup, il vient de passer par là, c'est ça? Ah oui, voûte ouverte! Salle des gardes! Ah bah j'y vais! Je suis dedans. Elle s'est ouverte juste devant moi. C'est en bas? Ouais. Ok, il faut que je me dépêche. J'y vais parce que ça s'est ouvert. C'est ouvert en face de moi, alors j'en profite. Oh, mais c'est trop bon, on est sous l'eau, j'adore! J'aime trop quand on est sous l'eau! Ah, c'est une pièce bleue là? Ah ouais, c'est une pièce sous l'eau, toute bleue. Toute bleutée. De toute beauté. J'ai pas le temps. Ah merde, il faut que j'ai 8 points pour ouvrir là. Putain. Bah, je vais regarder alors les touches pour la map. Peut-être que c'est sur virgule, mais j'ai peur que ça arrête mon perso. Et là, on est très pressé. Alors. Je crois que j'ai fait une connerie, il fallait pas que j'entre là-dedans en fait. Bah, moi là, en tout cas, je suis en dessous du loot, mais je sais juste pas comment y accéder. Ah, en fait, si, il y a une map. Ouvre la map et en fait, tu cliques sur l'objet en question de loin et ça va te guider. Oui, mais ouvre la map, c'est le premier point qui va pas. Je sais pas quelle touche c'est pour toi, la navigation. Je sais pas, j'ai fait M, j'ai fait un truc, mais ça ne veut pas. Mince! Je suis rentrée là-dessous, mais fallait pas, c'est ça? À moins qu'il y ait une porte autour, pas du tout. Oh, je connais pas, et ceux qui connaissent, qui ont passé l'après-midi, ils vont trop savoir des trucs, et moi j'essaie pas. C'est là où il y a l'œil, hein. L'œil, hein, en dessous de toi, là. Ah, c'est Q. Donc c'est A. Ok. Coordonnées mises à jour. Coordonnées mises à jour. Ok. Je vais par là, je vais par là. Ah ouais, merci. Non, je comprends pas. Allez. Pour récupérer le plan du pendentif. Un plan de pendentif, ça n'a aucun sens. Pas de bouffe, là. Ces pauvres gens ne voient jamais la lumière du jour. Oh, là où je suis, il faut une carte VIP. Vous avez une carte VIP? Ah, faut peut-être la trouver. Attendez, je vais faire le tour. Peut-être une carte VIP autour, là. Je sens bien. Comment je vous rejoins, en fait hein. Bah justement, fais le truc. Moi, j'avais appuyé sur la map et à chaque fois, ça me disait que j'étais au terminus. Ah.
trouve pas les touches, on croirait moi. Mais eh oh, c'est comment ça? Non, moi je trouve pas les touches parce que c'est compliqué. Toi tu trouves pas les touches, Trapil, parce que tu es vieux. C'est notre petit vieux à nous. Attends, je récolte un max de points pour pouvoir passer. J'en ai 10, c'est bon, je peux passer. Je pense que je vais pouvoir le récupérer, mais je ne donne pas cher de ma peau une fois fait. Je vais essayer de vous rejoindre et on se barrera. Ok, je suis dans la salle. Ok, je peux activer le truc, je le fais. Je me fais tirer dessus. J'essaie de toucher. Ah, j'essaie d'utiliser mes compétences, mais j'y connais pas. Oh, ils étaient fait pour être là-haut, là. Bah, j'ai suivi comment t'es arrivé là-haut? Bah, j'ai suivi le chemin qui m'a indiqué. Oh, putain, mais moi, je sais pas où il faut aller, là. Faut que t'ailles sur... Faut que tu vises l'endroit doré. Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils sont partis? Je sais pas trop comment dire. Extraction, mais je sais pas, c'est où l'extraction? Là, ça veut dire qu'ils ont chopé le plan, et du coup, faut essayer de les arrêter avant qu'ils se cassent. C'est qu'ils aillent à la voiture. Et... You can do it. Mais ouais, j'étais toute seule. Mais bon, c'était soit ça, soit on n'y allait pas du tout parce qu'il restait très peu. J'avais l'impression que j'étais à côté de toi pourtant, ouais, presque. Ouais, j'étais pas super loin. Mais en fait, il a fallu trouver le chemin exact pour pouvoir monter. Il y en a qu'un, en fait. Du coup, il a fallu que je fasse tout un détour. Il a fallu que je passe par une porte dorée. Mais elle était en bas, la porte dorée, non? Je comprends pas, elle est où la porte dorée, là? Ah, mais de toute façon, là, je pense qu'ils l'ont chopé, donc c'est trop tard, ils sont en train de partir avec le plan. Je pense. Mais tiens, comment je fais pour venir te chercher, là? Mais c'est pas grave, va essayer d'aller au ping. Voilà, quand tu vois les pings... Bah si, parce qu'ils vont gagner, de toute façon. Ah, parce que c'est ça, en fait, le ping, c'est... Ils ont volé le plan, et ça ping à intervalles réguliers. Ils disent que je suis déjà arrivée à destination, ça n'a aucun sens. Putain, tu m'as fait peur, connasse. Pardon. Oh, pardon. Ah bah c'est eux qui ont le truc, le plan. Mais je suis pas du tout arrivé à destination, je comprends pas. Ouais, y a pas d'extraction là, en fait. Déconner. Ouais, mais eux non plus, ils sont pas à l'extraction. Hein. Si, en fait, ils sont en train de partir. L'extraction, c'est ce qui va arriver. C'est que là, ils sont en train de fuir avec l'objet, ils l'ont volé. Oui, mais l'extraction, il faut l'appeler, c'est la petite console qui est au pied de... L'extraction, c'est l'endroit où c'est le point d'extraction, mais ce qui veut dire, c'est que là, ils sont en train de partir, ils sont en train de s'enfuir, c'est ça que ça veut nous dire, je pense. Certes, mais pourquoi ils étaient pas sur le point d'extraction? Ils étaient, mais genre, rien à voir. Alors, en fait, ils sont allés au point où je suis allée, parce qu'il fallait voler l'objet. Et maintenant, il faut aller au point d'extraction pour s'enfuir. Et nous, faut qu'on les en empêche. Faut qu'on les empêche de s'enfuir, faut qu'on leur prenne l'objet. Ils avaient pas appuyé sur la console pour s'extraire, déjà. Attends, je t'explique. En fait, tu obtiens un... Voilà, on a dû ouvrir le machin, la pièce, pour avoir l'objet qu'on doit voler. Et c'est seulement après qu'on doit aller au point d'extraction. Et c'est ailleurs, en fait. L'endroit où il y a la voiture, c'est complètement ailleurs. Du coup, là, ils étaient au point... Oui, mais l'endroit où il y a la voiture. L'endroit où il y a une voiture, il y a une console. Là, c'est juste le moment où... une console, il y a la bande d'appel pour la voiture, quoi, tout simplement. Ah, donc une fois que t'es à la bande d'appel, ça y est, tu pars, il n'y a pas un temps à attendre. J'imagine qu'il y a un temps, mais eux, de toute façon, ils étaient en train de se... Ils se rendaient au point d'extraction actuellement. C'est eux que t'as croisé, hein. C'est eux qui t'ont tué. C'est sur eux que le ping de la balise, de l'objet qu'ils avaient volé, il était. Donc voilà, ils t'ont croisé, ils t'ont tué, ils commençaient à partir. Mais le truc, c'est que je crois que surtout, on était peut-être les derniers à s'opposer à eux. Je crois que les autres, ils étaient morts. Donc de toute façon, si on n'est plus là, ils ont gagné quoi qu'il arrive, quoi. Je crois, hein. Parce que ça s'est terminé vite, donc je pense qu'on était les derniers. C'est un pi... Ouais, j'ai réanimé plein d'alliés. Bonsoir, Igor. Alors moi, tourée. J'ai débloqué un passif sur mon personnage et il faut que je choisisse. Ah oui, moi j'ai vu un truc aussi comme ça. T'as fait retourner au menu? Oui, et tu vas sur agent en haut à gauche. Je vais couper la VOD là pour le moment, des bisous VOD. C'était DC Inc. Et je vous dirai quand on sortira mieux.